au-dessus du PSG pour, en tant que favori pour pouvoir remporter cette compétition. Ça me paraît compliqué cette année qu'un club français gagne une des Coupes d'Europe, si ce n'est peut-être la dernière là où il y a encore l'OM et Rennes en jeu, parce que le niveau en face est assez faible. Mais en Europa League, il y a encore de gros clubs. Et je vois pas Lyon dans l'état actuel des choses avec l'instabilité avec Juninho et Monaco qui est en phase ascendante, mais voilà, je les vois pas concurrencer un Naples, bon ils doivent encore se qualifier, mais un Naples ou un Barcelone ou un FC Séville. Ça va me faire mal de le dire, mais tenant du titre plus vainqueur de la Ligue arabe, je dirais qu'ils sont favoris. Mais en Coupe d'Afrique, la Coupe d'Afrique, ça n'a pas de vérité absolue, encore moins que dans d'autres compétitions. Mes favoris, c'est l'Algérie, le Sénégal et l'Égypte. L'Algérie, parce que c'est le meilleur jeu, je pense, qui est pratiqué depuis maintenant un long moment en Afrique. Le Sénégal, parce que c'est le meilleur effectif en termes d'individualité au niveau de l'Afrique. Et l'Égypte, il y a Mohamed Salah qui est en feu. Et on sait que l'Égypte est une vraie équipe de Coupe d'Afrique des Nations, dans le sens où ils répondent très souvent présents dans cette compétition. Bienvenue dans la Family Football Club. Et oui, ce soir, c'est la Bombonera ce soir. Ce soir, c'est pas que la Bombonera, parce que ce soir, c'est le stade Omar Bongo. Ce soir, c'est Léon Bollé. Ce soir, c'est Bollart. Ce soir, c'est aussi Blida le 5 juillet. Exactement. Gros bravo aux frères et sœurs algériens et algériennes pour cette victoire en Coupe arabe. Mais on va en parler. Avant tout, Wesley, il a fait tomber la veste, la chemise toujours sortie du pressing. Il n'y a pas un pli, c'est pas lui qui a repassé. C'est le pressing, va falloir que tu me donnes l'adresse. Les contours sont à jour. Ah là là là. Le smile, toujours impeccable. Toujours. Comment ça va, Wes? Très très bien. Les contours, ils ont été faits à 18h30. Oh là là, ça veut dire. Non, très ça veut très dire, bien. Attends, la semaine dernière, je l'ai fait à 19h30. Là, il est 18h30. Non, la dernière fois, c'était il y a 4 jours. C'était tellement Non, nickel. Content. On va passer une très très bonne émission. Un invité de qualité. Parce donc, que t'es numéro 9, mais moi, je t'ai ramené, frérot. Lui, il va te mettre sur le banc de touche. Hein. Voilà. Et on a le retour. Je garde le suspense, mais on a un retour. On a un retour, exactement. Amine Zaghi avec 3i. Que suis-je sans Amine Zaghi et que serait la Family Football Club sans Amine Zaghi? Que ferait la Family sans un champion Coupe Arabe, Coupe Afrique, Coupe d'Afrique? Le monde Chico et Norris, man. Tu vas nous faire une aile chapeau Coupe du Monde après. Bah c'est ça, frérot, on est parti. Je crois que je sais pas où est-ce qu'on va s'arrêter. Je sais même plus. Comment ça va, Amine Zaghi? Bah écoute, ça va très très bien. En forme. Et toi, comment tu vas? Ah, tu vois, parce que Wesley, tu vois, il me dit pas, ouais, moi, comment ça va, tu vois. Bah écoute, Amine Zaghi, ça va super. Tu sais pourquoi ça va? Ah bah dis-moi. Parce que ce soir, il y a un retour. Aïe. Les réseaux sociaux à côté, c'est du beurre. Attends, c'est des biscuits lus ce soir. La reine des réseaux sociaux, la reine du développement d'images, la reine du conseil, j'ai envie de dire. Et je rigole pas quand je dis ça. Joueur professionnel, joueuse professionnelle. Elle était au Qatar, elle était en Algérie avec le FC Cologne. Et elle est là ce soir dans la Bombonera. Blida est complet depuis 10h du matin, on l'attend. Bienvenue Amina. One, two, three, viva l'Algérie. Comment ça va, Amina? Écoute, ça va très 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 bien. Bah écoute, ça fait un moment là. Ouais, ça. T'as disparu? Non, mais comme tu l'as dit, j'étais en Algérie, après j'étais au Qatar et maintenant je suis là. Non, bah... Moi, je vais dans le 14e, je vais dans le 18, après je rebouge dans le 16. Elle va dans le Qatar, après elle va en Algérie. Voilà, c'est Amida. Je vous l'ai dit, ce soir, on a un invité d'exception. Moi, personnellement, tous ceux qui sont de ma génération sont fans et je le vois à travers les différents sourires. Numéro 9, attaquant de pointe de la Ligue 1. Il a maîtrisé cette Ligue 1 pendant des années, pendant même une décennie. Il a fait trembler les stades, les filets du stade Léon Bollé, les filets du stade Bollart, les filets du stade Omar Bongo, 50e sélection avec l'équipe du Gabon, capitaine de cette sélection. Vous vous rendez compte? Ce soir, à la Family Football Club, on reçoit qui? Daniel Cousin, s'il vous plaît. Bonsoir et merci.
Le Pichichi de la Family Football Club, c'est comme ça que je vais l'appeler. Picon, okay, ça va ça pas va lui faire plaisir, mais bon, quand même. Daniel, comment ça va? Ça va très bien, merci. On est honoré que tu aies accepté notre invitation. Ben moi aussi, je suis très honoré et très fier. Bah, ça fait plaisir. Voilà. Dis-nous, quelle est un peu ton actualité? Mon actualité, je suis actuellement à Gemnos, un petit club dans la banlieue de Marseille. Je m'occupe des spécifiques attaquants pour les U15 et U17. D'accord. Voilà, et je fais un BPJEPS aussi. Vous savez ce que c'est le BPJEPS? Ouais. C'est un brevet d'éducation, voilà. Non, pour l'éducateur. Pour être éducateur sportif. Ouais, plusieurs branches. D'accord. Voilà, donc ça me permettra d'animer plusieurs disciplines. Si un jour j'ai vraiment envie de travailler, par exemple, d'aller dans une école pour faire une initiation au football ou dans un hôpital. Ouais, mais t'as pas besoin de diplôme pour ça, Daniel. Ouais, mais il le faut quand c'est même. C'est la formalité, quoi. Dans c'est... certaines institutions, il ouais, le faut quand même. Mais bon, ma priorité, ça reste quand même de travailler dans un club. Dans un club. Voilà. Moi, tu vois, tu vas dire, le Alex Bombonero, là, il est bizarre. Ah ouais? Parce que moi, j'ai des experts et moi, on te suit de partout, tu vois. Okay. On te suit de partout et moi, là, écoute, je t'ai vu faire tes courses à Mbolo. Oui, ça m'est arrivé. J'ai vu t'es faire des courses à Mbolo, à Libreville, tranquille. Et là, tu me dis, tu prépares des diplômes, etc. Qui c'est qui t'a parlé d'ailleurs? Ça sort les dossiers. C'est mes fans du Gabon, parce que dans la Family Football Club, on m'a dit, okay, Daniel Cousin, dis-lui que je l'ai vu faire ses courses à Mbolo. Ouais, de toute façon, il n'y en a pas 36 de supermarché. On se retrouve tous au même endroit. Hein. C'est clair. Mais écoute, en tout cas, on est ravis que tu sois là parmi nous. On va parler football, bien évidemment. La Family Football Club est au complet ce soir. On va commencer par les dingueries de la semaine. Amin Zaki, c'est parti. Alors, on va commencer les dingueries comme d'habitude. On va commencer doucement pour aller crescendo. Croyez-moi qu'aujourd'hui, vous allez voir des vraies, vraies dingueries. On va commencer doucement. Franchement, c'est un peu doucement, comme le final de la Casa des Papel. C'est sorti, personne n'en a parlé. Et la Casa des Papel, ça quoi? Ça parle d'un trésor. On veut le garder. Il y a un professeur qui donne des consignes. Et ben, au Paris Saint-Germain, le trésor s'appelle Kylian Mbappé. Et El Professeur, il n'est pas espagnol, il est brésilien. S'il vous plaît, vous allez voir le professeur, les consignes qu'il donne pour garder Kylian Mbappé, le trésor du Paris Saint-Germain. Parce que j'ai déjà vu. Et là, ça va sortir partout. Mais... Donc là, vous voyez Leonardo à la Sorbonne, hein, quand même, qui explique comment garder Mbappé. Kylian est formidable. C'est quelque chose de... C'est quelque chose de différent, d'unique, vous savez. Et bon, vous savez aussi qu'est-ce qu'on veut. Ça, c'est clair. Bon, par contre, il a l'air moins convaincant que le professeur, quand même. Parce que j'ai l'impression que moi, personnellement, s'il arrive à me convaincre que le Paris Saint-Germain va garder Kylian Mbappé... Leonardo, c'est la classe, mon gars. Bah, regarde, ils étaient contents, quand même. Il a réussi à les convaincre. Bon, c'était des supporters du PSG, là. C'est la Sorbonne ou... C'est pas Tolbiac, ouais. C'est le Panthéon, là. C'est au Panthéon, exactement. Ah, d'accord. Donc voilà, donc, on verra ce que ça va donner. Si Kylian Mbappé va donc signer une prolongation ou s'il va s'envoler pour le Real Madrid, il reste quelques mois à attendre. Suspense, suspense. Et là, le reste d'un grill de la semaine va être évidemment ponctué sur le sacre de la meilleure équipe de l'univers de tous les temps. Effectivement, l'équipe d'Algérie. Mais l'équipe d'Algérie, souvent ce qui se passe, c'est qu'on a l'habitude d'avoir les dingueries pendant la CAN. Là, c'est la Coupe arabe jouée au Qatar. Le Qatar, d'habitude, on dit normalement impossible n'est pas français. Moi, j'ai envie de dire impossible n'est pas qatari. La demi-finale, je ne sais pas si vous avez suivi la demi-finale Algérie-Qatar. Bon, déjà, Algérie-Qatar, il y a eu 9 minutes. L'arbitre, il a mis 9 minutes de temps additionnel. Et ensuite, visuel, s'il vous plaît, regardez combien de temps ça a duré. 19 minutes de temps additionnel. Donc, c'est plus longtemps qu'une prolongation. Donc, au bout d'un moment, le Qatar... Va falloir qu'il m'explique comment l'arbitre... Bon, à la limite, il espérait 1-0, il espérait l'égalisation du Qatar. Quand le Qatar a égalisé, il s'est chauffé. Il s'est dit, bon, vas-y, ils ont égalisé à la 7e minute de temps additionnel. Vas-y, ils vont remettre un but. Il s'est chauffé. Et j'ai l'impression qu'il a reçu une mallette de l'autre sens, puisqu'à la 18e minute, il a sifflé un pénalty pour l'Algérie. Et donc, à la fin, il s'est dit, bon, je peux plus trafiquer, mais quand même 19 minutes de temps additionnel. Je ne sais pas si on a déjà vu ça. Non, moi, Daniel, t'as déjà vu ça? Jamais. Je me demande, ils ont affiché combien? Il a affiché 9. Ah, il a affiché 9. 9, mais après, quand le Qatar... Je crois que c'est un changement, tu vois, 9. Ben, c'est ça, moi, je pense que c'est numéro 9 qui allait rentrer. Entrée de Daniel Cousin. Mais par contre, après, il s'est chauffé. Mais 19 minutes, au bout d'un moment, je pense que le Qatar, ok, ça, je pense que pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar, les choses au moins sont claires. Pour battre le Qatar, enfin, soit va falloir avoir beaucoup d'argent, hein, soit connaître les arbitres. Mais en tout cas, ça moi, voilà, je trouve que leurs stats sont magnifiques, tout s'est bien passé, mais l'arbitrage... C'est pas en général, quand il y a beaucoup d'arrêts de jeu,
pendant le match, d'accord, mais là, vous avez 18 pas minutes, beaucoup, hein. L'arrêt de jeu, c'est plus long qu'une prolongation. Un match. Voilà. Donc là, on va continuer sur le Qatar. Normalement, si je vous dis SEM, vous pensez à quel pays? Belgique, mon ami. Voilà, le SEM, c'est la Belgique. Mais j'allais je pense... dire l'Algérie, mais non, non. Moi, j'allais dire la Tunisie, suite à ta réaction après la défaite, quand même. Ouais, mais bon, on va rien dire du tout. Mais normalement, voilà, on dit Belgique, d'accord. Là, le joueur donc, qui a marqué le penalty pour l'Algérie, donc le 2-1 contre le Qatar, c'est Youssef Belaïli. Youssef Belaïli était jusqu'à présent un joueur du Qatar FC. Oui. Et donc là, vous allez voir ce qui s'est passé. Donc là, le Qatar FC, le lendemain. Donc là, c'est pas bon. Nasser, on a juste mis la tête parce que c'est le seul Qatari connu que je connais personnellement. Mais sinon, voilà. Donc le Qatar FC, le lendemain de la demi-finale Algérie-Qatar, ils lui ont résilié son contrat. Parce qu'ils lui ont dit qu'il a célébré son but d'une manière trop virulente. Non. Voilà. Voilà. Ils l'ont jugé comme un manque de respect. C'est un truc de fou. Mais bon. J'ai trouvé incroyable la célébration au passage. Bah, tu vois, voilà, peut-être que ça. Voilà. Nous, on l'a trouvé incroyable. Et peut-être que, honnêtement, franchement, si on parle sérieusement. C'était quoi la célébration? Bon, franchement, il a célébré normalement. Enfin, non, genre, il a sauté devant l'arbitre de touche. Ah, il a célébré normalement. Bah ouais. Et après, c'était pas un peu aussi, là, c'est tombé sur les réseaux, combien j'ai mis de petits ponts. Enfin, il a un peu chambré l'équipe. Oui, ici, après, c'est Belaïli, c'est un rebeu. C'est donc, qui dit rebeu dit petits ponts. Donc, ouais. Lui, en fait, il n'a rien à faire de gagner la Coupe donc, d'Arabie. Après, c'est la Belgique, combien de petits ouais. ponts il va mettre. Après la Belgique, le Qatar. Après la Belgique, le Qatar. Donc là, bah, je pense qu'ils ont même signé un avis d'expulsion. Donc, à mon avis, il doit être à l'aéroport. Déjà, il a dû rentrer. Donc, on suivra Youssef Belaïli, on suivra bien évidemment le Qatar qui a toujours le seum avec les remontadas. Etc. Donc c'est un pays qui a beaucoup le seum. J'apprécie à moitié la mine. Et là, on va passer au numéro 2. Et numéro 2, je sais pas si vous, à mon avis, vous souvenez tous de l'artiste, tu vois, quand on est fan d'un joueur par exemple. Vous souvenez tous de celui qui avait raté le buste de Cristiano Ronaldo. Mm. Ben là, il y a un Algérien, je sais pas s'il a voulu dessiner son oncle Miloud du quartier, mais il a dessiné, donc c'est censé être à droite, Jamel Belmadi. Moi, personnellement, quand je vois ça, j'étais obligé de faire le parallèle avec le buste de CR7 parce que non, c'est pas possible. Tu peux pas manquer de respect à un gars qui nous a ramené invaincu depuis trois ans, qui nous a ramené une Coupe d'Afrique et tu le dessines comme ça où on dirait que le gars, c'est comme je te dis, ton oncle Miloud de la piscine municipale. C'est pas très sympa pour Jamel Belmadi. Donc, s'il pouvait, comme ce que j'ai vu, je fais un appel puisque celui qui avait fait le buste de CR7, ils l'ont refait après, ils l'ont recorrigé. Bah, j'espère quand même que la photo de Belmadi sera effacée et refaite d'une manière correcte. On va lancer un hashtag. Voilà, hashtag liberté pour Belmadi. Il a massacré. Daniel, on t'aurait fait ça. Moi, je l'aurais effacé direct. Daniel, si on fait une fresque, je te mets. Des gens. C'est sûr. Daniel, d'habitude, je termine toujours avec l'invité en numéro 1. Ouais. J'aime bien toujours trouver voilà, des petites photos sur l'invité. Mais tu vois, là, j'ai toujours mal au cœur ces derniers temps parce que je sais que tu es Marseillais. J'aurais ouais. voulu te voir à l'Olympique de Marseille, parce qu'évidemment, je suis un peu fan de l'Olympique de Marseille. Okay. J'aurais voulu te voir avec le 9 de l'Olympique de Marseille. Donc, j'ai un peu eu mal au cœur de te chambrer, mais j'ai trouvé une autre manière de te chambrer. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Numéro 1 des dingueries de la semaine. On va parler d'un pays qui est cher à Daniel. Bim bam boum, s'il vous plaît. Donc là, je ne sais pas si vous connaissez ce joueur-là. Très bien, Kanga. Kanga, alors, ouais. Vu que tu le connais très bien. Je connais l'histoire. Déjà. Alors là, tu me fais plaisir, Daniel. Si tu le connais très bien, est-ce que ouais. tu pourras m'expliquer comment ça se fait qu'il est né en 90 alors que sa mère est décédée en 86? Tu as donc 10 minutes pour ça, c'est un mystère, mais moi, je l'ai eu. J'étais manager de l'équipe nationale et j'ai ouais. été sélectionneur. On n'a jamais eu de problème quand j'étais là. Donc après, c'est un Congolais, il a joué au Gabon, il a joué pendant tant d'années et après il avait le droit de se faire naturaliser. Après, l'administration gabonaise, des fois, au niveau de la fédération ministère, même le ralenti, ça va trop vite pour eux. Donc je pense que ça va beaucoup plus de l'administration que ouais. du joueur. Parce que la fédération congolaise, dit qu'il est né à Kinshasa. En 90 et donc c'est pas possible qu'il a usurpé une identité, mais si on veut être précis, parce ouais. qu'il faut être précis dans la famille du football club, il n'y a jamais eu de preuve avérée comme quoi c'est bien lui. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait la FIFA a dit bon, on pense que quand même il y a peut-être des choses louches, mais on n'a pas de preuves tangibles qui prouvent que c'est ça ou ça. En plus les fédérations gabonaises et congolaises, ils se tirent un peu dans les pattes. Bah oui, bah... Il y a de la concurrence, oui, il y a de la jalousie, il y a plein de trucs. Des Africains qui se tirent dans les pattes. Parce qu'ils ont dit, ouais, c'était un joueur à nous, vous nous l'avez volé. Et après, ils essayent de se déstabiliser. C'est géopolitique. C'est classique. Donc voilà, donc si un jour quelqu'un arrive à résoudre l'énigme de la date de naissance de ce joueur-là,
Alors, c'est quand même un joueur qui, a quand même, qui joue quand même en Europe, à l'Étoile Rouge de Belgrade. Mais ouais, par contre, niveau apport, je suis pas sûr, Daniel, qu'il vous ait vraiment apporté grand-chose, parce que j'ai regardé ses statistiques, il a marqué 2 buts. En équipe nationale, il était toujours frustré, il y avait beaucoup d'attentes sur lui. Ouais. Et au milieu de terrain, il avait du mal à faire sa place, tout simplement. Ouais. Donc, je crois qu'il y a Lemina aussi avec. Il y avait Poco aussi. Ouais. Donc c'est ce qu'on lui reprochait un peu en équipe nationale, c'est qu'il on voyait ses performances en club, il était tétanisé. Mais par contre, pour boucler la boucle avec la Family Football Club, les deux seuls pays contre lesquels il a marqué, c'est le Cameroun et la Tunisie. Donc Daniel, voilà pour les dingueries de la Daniel, semaine. Daniel, juste pour finir. Tu peux leur rappeler le but passe décisif de 1 en 2010 contre l'Algérie ou quoi ? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. T'as révisé tes fiches. J'avais donné le deuxième but à Aubameyang. Il a révisé. Parce que là, ils avaient vu Bob ce jour-là. Ah ouais. Ils avaient vu jaune. Il y avait la grosse équipe en plus. Il a révisé ses fiches depuis la défaite de la Coupe. Avec Daniel, le Gabon, il a son CV, t'inquiète pas. Donc voilà pour le dernier de la famille. Bravo à Minzaghi. Les dingueries de la semaine, ça lance bien évidemment toujours ce live de la Family Football Club. Les pouces bleus, s'il vous plaît, sur le chat, les pouces bleus pour nous donner de la force. Et surtout, posez vos questions aussi en direct, hein. On n'y manquera pas. Wesley, Hamida, Minzaghi et Daniel, bien sûr, sont là pour y répondre. Premier débat, petit sommaire, la France peut-elle rafler tous les trophées européens en club, bien évidemment. Ensuite, joue là comme Hamida, le retour. Deuxième débat, l'Algérie favorite de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et pourquoi pas espérer, pourquoi pas un très beau parcours, si ce n'est une victoire au prochain mondial, au Qatar. Pourquoi pas ? Rêvons. Minimum. Plus grand. Rêvons plus grand. Minimum. C'est comme les supporters marseillais, il faut toujours rêver. Ensuite, un petit bonbonero time. Donc, c'est un petit, voilà. Un date. Petite question-réponse, tranquille. On va se remémorer le bon temps. Léon Bollé, voilà, Omar Bongo. Léon Bollé, il n'existe plus. Dommage. Je sais. C'était juste pour faire genre, je connaissais. La MMA Arena, elle n'a pas vu d'attaquant. Malheureusement. Il y avait Amstald, le Norvégien, là. Ah oui. Qui avait mis pas mal de buts en Ligue 2, mais bon, ils n'étaient pas montés. Ouais, c'est ça. À l'époque, avec le loué. Ouais. Hein ? Poulet loué, ouais. Le poulet, vous en avez mangé du chicken à moi. À Noël, ouais. À Noël, en plus. On avait des chapons. Ouais. C'était la prime du président, ça. Voilà, ouais. Bon bonheur au time et le quiz de la famille, parce que le quiz, franchement, ça va être quelque chose. Le quiz, j'ai hâte. En plus, il y a un bon petit 2 contre 2. Les gars, on va commencer justement sur les clubs français, là, parce que meilleur indice UEFA, si on prend cette saison uniquement, on a tous nos clubs français pratiquement qui sont. Je sais plus, j'ai un trou de mémoire pour Rennes. Rennes, ils sont qualifiés. Si, parce que Tottenham a été éliminé. Voilà, donc on a tous nos clubs aujourd'hui qui sont rendez-vous. 2 en Champions League, quand même, c'est énorme, faut le dire. Moi, ma première question, elle est sur le Paris Saint-Germain, les gars. Le PSG, il y a eu un tirage face au Real, Hamida. Est-ce que tu es confiante ? Est-ce que tu te dis Mbappé va la soulever avec le maillot du PSG ? Ou est-ce que tu te dis aïe aïe aïe, les huitièmes de finale, mois de mars. Février, je finis en larmes et avec mon petit chat, je sais que t'as un petit 1, avec mon petit chat sous la couette et t'as que tes yeux pour pleurer, quoi. Non, je pense que ça va être des matchs très compliqués pour le Paris Saint-Germain. Pas impossible. Pour moi, j'ai l'impression que le Real de Madrid est en petite forme ces derniers temps. Donc je pense que le PSG peut complètement s'imposer face au Real. Après, ça ne va pas être évident, mais bon, normalement, on aura tout l'effectif. Mais bon, on connaît la chance du Paris Saint-Germain sur le reste des Ligues des Champions. On espère au moins avoir Ramos. Moi, je rêve de Ramos qui met un but, une tête au Bernabéu. Comme face à l'Atlético, quoi. Exactement, et qui éteint le Real. Mais clairement, ça va être des matchs difficiles, mais pour moi, pas impossible. Je pense que le PSG peut s'imposer. Non, on a l'impression, quand tu parles, que Zizou est toujours entraîneur du Real. T'inquiète pas, Zizou, il n'est plus au Real Madrid. Non, il est bientôt au PSG. Tu peux te lâcher sur le Real, mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le PSG est supérieur au Real Madrid ? Même si, février, on sait que tout peut changer. Mais à l'heure où on parle, est-ce que pour toi, oui, avec cette attaque Messi, Neymar, Mbappé, aujourd'hui le PSG est supérieur au Real Madrid et c'est plus le Real Madrid de l'époque ? Non, je pense pas que le PSG soit supérieur. Je pense que c'est un peu ex aequo, parce qu'il faut pas oublier qu'en face, il y a quand même Benzema, Vinicius qui est assez en forme. Je pense que, voilà, on a vu aussi le trio d'attaque du Paris Saint-Germain être très décevant. Donc pour moi, ils sont pas forcément au-dessus. Amin Zaghi, mon ami, toi le madrilène.
Tu le vois comment ce duel? Est-ce que tu penses est-ce que tu penses réellement que le PSG cette année c'est leur Écoute, tu sais quoi? Avant l'émission, j'étais content du retour d'Amida. Je l'ai ramené sans pile, tu vois, tranquille et tout. Je l'ai vu avec le maillot d'Algérie, Belaïli et tout. Franchement, j'étais content de son retour. Elle m'assassine comme ça, elle me brise le cœur en même pas 30 secondes d'intervention. Attends, on n'a pas encore parlé de l'OM. Ouais, bah oui, ça va aller crescendo, je sais bien. Après, pour être un peu plus sérieux, moi, je pense que le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, ce qu'ils ne veulent pas comprendre, contrairement au Real Madrid, le Real Madrid a perdu beaucoup de joueurs. On pouvait craindre pour eux. Et au final, si tu me parles d'une équipe, l'équipe entre les deux, c'est le Real. Le Paris Saint-Germain a un effectif, a des joueurs, mais c'est un peu, on dirait, une manifestation des Gilets jaunes. T'as des blessés, Neymar sera toujours blessé. T'as le manifestant en chef qui est Messi, puisqu'on dirait Johan Diniz, passe son temps à marcher. Et t'as que des. T'as pas d'équilibre d'équipe. Et du coup, ce qui se passe, c'est que. Qu'est-ce qui va se passer? Encore une fois, ils veulent pas comprendre. Ils veulent pas retenir les leçons. Ce qui va se passer, ce qui va être encore pire pour eux, c'est que même Kylian Mbappé, on me dit, ouais, c'est un crack, craquito, il va pas faire le match avant le match, il va pas se dire parce que je vais jouer au Real la saison prochaine. Mais c'est impossible que ça joue pas dans sa tête. Ça veut dire que le gars. Il sait que dans 6 mois, il sera au Real et ça va pas avoir d'impact sur lui en sachant qu'il sera. C'est pas possible pour moi. Le Real Madrid aujourd'hui, ils sont dans les trois meilleures équipes d'Europe avec le Bayern et City. Et par rapport à moi, honnêtement, je suis le premier surpris parce que je pensais qu'ils allaient s'écrouler après le départ de Zidane. T'as Vinicius, sa valeur elle est passée du franc CFA à un Bitcoin en même pas 6 mois. T'as capté? Donc moi, je pense honnêtement que le Real Madrid est archi favori. Pour ça, je pense que les clubs français ne pourront pas faire le top 3. Daniel, toi, ton avis un peu sur cette confrontation? Je suis un peu d'accord avec lui. Je pense qu'ils sont au-dessus, le Real, même dans le vécu. Ils ont aussi un entraîneur, il ne faut pas oublier qu'un gros vécu, une grosse expérience. Après, ça sera aussi l'occasion de Pochettino de montrer aussi son management. Voilà, parce qu'il a été un peu... critiqué par rapport au système, par rapport à l'approche qu'il avait de ses stars, avec les stars, donc ça sera le moment de vérité. Et moi je l'attends en fait, parce que je pense qu'il a un potentiel pour Pochettino, il a montré à Tottenham. Maintenant il faut montrer qu'il est capable d'amener aussi un grand club en haut de l'affiche. T'as été numéro 9, on le sait tous, le numéro 9 aujourd'hui du PSG, admettons, enfin numéro 9, il a le 7 dans le dos, mais ouais. L'attaquant, la star aujourd'hui du Paris Saint-Germain, c'est Kylian Mbappé. Ouais. Mbappé en janvier potentiellement, et il a peut-être un pré-contrat avec le Real Madrid. Est-ce que toi, voilà, est-ce que tu penses que Mbappé sera focus sur ce 8e de finale et pourra, entre guillemets, faire une surperformance face potentiellement son futur club? Il peut pas, il est professionnel. Voilà, il a un contrat, il va le respecter jusqu'au bout. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui se voit déjà ailleurs. On sait très bien que les sportifs de haut niveau, c'est le mental. Et la meilleure façon de préparer son match, c'est de bien se concentrer sur ce qu'il doit faire. Il ne va pas penser à... Mais Daniel, il parle en espagnol à ses coéquipiers. Il a toujours eu cette ambition de partir au Real Madrid. C'est un rêve de gosse aussi. Oui. Mais est-ce que tu penses que ça ne va pas le mine de rien? Toi qui as joué, pas... si on parle mercato, t'es fin du mois d'août, t'as peut-être un potentiel départ. C'est pas des joueurs comme ça. Non, pas des joueurs comme ça. Des joueurs de amateurs, oui. Parce qu'il l'a dit quand même face à l'Euro. Ouais, que il peut faire de sous-entendus. Il peut dire, bon, voilà, sur mon avenir, j'ai encore des hésitations. Mais dès qu'il met les pieds sur la pelouse, tu peux pas dire qu'il va penser. En fait, quand tu rentres dans un stade, je pense que tu le sais, des fois, il y a même 80 000 supporters. Tu t'en aperçois même pas. Rien. T'es dans le jeu. Ah ouais, à ce point-là. Ben oui. Mais quand il va rentrer à Bernabeu? Bon, après, il va changer de public, ça va pas être à la même chose. À ses futurs supporters. Et puis, maintenant, avec tous les systèmes qu'il y a, GPS, tout ça, ils savent combien tu cours, les efforts et tout. Si tu triches, même ton coéquipier le voit. S'il s'économise ou s'il veut pas se blesser, ça se voit tout de suite. Daniel, est-ce qu'on peut rappeler que tu as été le premier buteur en Ligue gabonais, en Ligue des Champions? C'est vrai ça? Ah oui. Ouais, c'est vrai. Je t'ai dit, je te suis, ouais. Daniel. Je t'ai dit, c'est Mbolo, vrai, ouais. Le premier buteur de l'histoire du Gabon en Ligue des Champions. Non, mais c'est quelque chose quand même. Ça, c'est gravé dans l'histoire. La preuve, je sais. Après, c'était quand on travaille pour arriver à un certain niveau. Après, quand on y arrive, c'est juste la récompense de tant d'années, d'efforts. Et voilà. Et après, ça fait plaisir, mais après, c'est la vie continue. C'est tout. Voilà. Et ce soir, il est dans la Bombonera, Daniel, ce soir. Ah, c'est pas rien.
Wesley, agent de joueur. Ouais. Conseiller sportif, je préfère conseiller sportif. Ouais, c'est, ça passe mieux. Ouais, ouais. Non, c'est même, t'es dans le conseil. T'es dans le conseil, avec un grand C. Mais Wesley, mon ami. Non, je vois, j'ai toi, Mbappé, le cas Mbappé. Le cas Mbappé. T'es agent de joueur, toi-même, tu sais. Bon, c'est vrai qu'en janvier, il peut déjà signer, il peut s'engager, s'engager. À partir du 1er janvier. Non, mais après, pour, alors, pour revenir sur la question, tu sais, ce que j'aime sur cette confrontation, c'est qu'il y a des choses qui ont changé. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est un peu l'outsider. Et je pense que ça leur va. Je pense que ça leur va. Pourquoi et, le PSG est l'outsider ? Là, sur ce match, clairement. Ah mais bon moi, je crois en une victoire du Paris Saint-Germain. Je vais t'expliquer pourquoi. Effectivement, si tu compares, aujourd'hui, le Real a montré plus d'assurance collective. Mais sur ces matchs-là, moi, je compte sur l'orgueil des grands champions. Tu vois ? Et je pense que Messi, il a des choses à faire valoir. Je pense que Sergio Ramos aussi. Je pense que Kylian Mbappé aussi. Tu vois ? Alors après, Neymar, il y a un doute parce qu'on ne sait pas dans quelle forme il sera à ce moment-là. Il y a toujours un doute. Mais voilà. Mais en tout cas, en ce qui concerne Lionel Messi, et lui, il va être surmotivé. Il joue contre le Real. Ça reste... tu vois, Messi, il est ancré Barça. C'est son classico. Voilà, c'est son petit classico. Donc, je pense que ça va au PSG parce que pour moi, le PSG, parfois, c'est raté dans l'approche des matchs. C'est vu un peu trop beau, avec une belle perf à l'aller. Ouais. Au retour, il se foire. Donc, ouais, sur ce match, je vois le PSG. Et concernant Mbappé, je rejoins Daniel. Je pense qu'arriver à un moment donné, à ce niveau-là, c'est... Et je pense qu'il l'a déjà prouvé, en fait. Tu vois, il l'a déjà prouvé. Cette année, transfert avorté. Dès septembre, il était performant. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Ça, j'ai beaucoup aimé sur Kylian Mbappé. Donc, je pense qu'on aura le droit à... Et puis, on va pas se mentir, tu joues pour ces matchs-là. Amine, qu'est-ce que tu penses qu'il y aura trop de pression pour Messi et Ramos ? Déjà, je vais commencer par Lionel Messi, la Pulga. Il n'a pas sauté à Bernabeu depuis au moins 3-4 ans. Ça fait au moins 4-5 ans qu'il ne met plus de but pendant les Classicos. Donc, il continue à sauter au Parc des Princes, à marcher, à faire son marcheur, aller peut-être au Saint-Jacques-de-Compostelle pour aller en pèlerinage, pour peut-être mettre un cierge. Jusqu'à la Sagrada Familia, c'est ça ? Pour essayer retrouver son déhanché d'avant. Mais pour moi, non. En fait, si tu veux, pour rester plus sérieux, je trouve qu'il a, même quand tu le vois jouer, tu sens que c'est plus le... Parce que ouais, je vois ce qu'il veut dire, l'ego des grands champions. Mais par contre, là où Kylian Mbappé lui a manqué totalement de respect, c'est quand il a dit « Je vais laisser tirer le pénalty pour qu'il reprenne la confiance. » Quand j'ai entendu cette déclaration-là, mais ça veut dire qu'il avoue implicitement que Lionel Messi est en manque de confiance. Il dit, quand on lui dit « Pourquoi t'as laissé tirer le pénalty à Messi ?» Il dit « Non, parce que là, en ce moment, il n'est pas trop bien. On aura besoin de lui à des moments clés. » Il faut qu'il reprenne confiance. Il y a Dani Alves qui parlait de temps d'adaptation, toi, Minzaghi, le temps d'adaptation. C'est le pas temps parce d'adaptation qu'on s'appelle Léo pour un septuple Ballon d'Or. Moi, je l'ai trouvé très moyen dans le jeu depuis qu'il est arrivé. Il a perdu beaucoup de ballons. Enfin, sa force, c'est de garder le ballon. Oui. Et je trouve qu'il perd beaucoup de ballons. Après, voilà, il y a les automatismes qu'il doit chercher avec ses partenaires. Et en fait, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser sur sa venue. Voilà. Donc, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu Ouais, clairement, est-ce que tu es déçu ? Ou est-ce que tu t'y attendais pas plus ? Ou est-ce que tu dis en non, fait, je il le a savais, 34 quoi. Ans, je me dis les ouais. performances et les stats qu'il avait à Barcelone, et ça se reproduira plus. Hein. Faut voilà, pas rêver. Oui, ça, c'est voilà. Sûr. Donc, il va apporter son expérience. Rien que sa présence, c'est énorme déjà. Mais les gens, faut qu'ils comprennent que c'est plus le Messi qu'on a eu à Barcelone. C'est pas le même contexte. Il portait l'équipe à lui tout seul. Et voilà, maintenant les données ont changé. Et pour Sergio Ramos, qui a fait son match là, en Coupe de France, qui a fait un très bon match, parce qu'il a fait un très bon match à Saint-Etienne et un très bon match hier. Mais qui a joué que pour moi, matchs. C'est deux points d'interrogation, parce qu'ils voilà, n'arrivent pas à 28 ans, ils ont déjà un certain âge. Et voilà, le corps, il réagit plus de la même façon, il récupère différemment. Donc à voir, mais. Pour moi, ce n'était pas la meilleure façon de préparer l'avenir, de faire venir des ouais. mecs comme ça, même s'ils ont un statut. Charisme, voilà, on a besoin de gens qui vont t'amener d'ici 3, 4, 5 ans le PSG à un certain niveau. Amida, toi, Messi, Ramos, trop de pression pour eux sur ce match-là face au Real, un peu le retour au bercail pour Ramos et, comme le disait Wes, un classico pour Messi. Non, moi, je ne pense pas que ce soit des joueurs qui subissent la pression, au contraire. Je pense que Ramos doit être impatient de faire son retour au Bernabeu. Et je pense que, bon, en tout cas, si son corps lui permet de jouer, je pense qu'il sera à 150 000%. Moi, j'ai aucun souci sur ça. Après, ouais, comme disait Daniel, pour moi, Messi, c'est point d'interrogation. Je sais même pas quoi dire, en fait, sur Messi. C'est tellement décevant. C'est limite gênant de le voir jouer comme ça, en fait. Moi, ça me fait, franchement, en tant qu'amoureuse du ballon, ça me fait mal au cœur.
et supportrice du PSG. En tant que numéro 10 aussi. Ouais, exactement aussi. Non, mais clairement, enfin, pour moi, c'est franchement un gros point d'interrogation sur Messi. Après, vas-y, ouais, je rebondis par rapport à ce que disait Hamida. Que ce soit Ramos ou Messi, pour moi, ils n'ont pas une saison complète dans les jambes. Par contre, à des moments clés, moi, je pense que c'est, ouais. Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. C'est mon, voilà, ah, bien c'est, sûr. C'est mon point de vue. Je pense que, tu vois, ils ont besoin de ces grands matchs. C'est des mecs, ils ont, voilà, que ce soit Ramos, champion d'Europe, champion du monde, etc. Messi, pareil, ils ont besoin de ces grands matchs. Donc, je crois, peut-être que je vais me tromper, mais en tout cas, je crois fermement à un sursaut d'orgueil, ces matchs-là. Un grand bonsoir à Samir Djabali. Samir Djabali TV sur le chat. La famille. Exactement, félicitations encore pour la coupe parce que lui, il était même en direct des vestiaires avec les joueurs algériens. En Europa League, c'est jouable pour les clubs français, mais un peu plus dur pour remporter la plus prestigieuse des coupes. Et oui, le PSG peut sortir le Real, capable du pire comme du meilleur. Mais Samir, il éloigne le mauvais oeil, je le connais là. Il pense que le PSG va gagner. Hein. Samir, je te connais, frérot. Et puis à un moment, pour gagner un titre, il faut jouer les gros. Ouais. Tu peux pas te cacher. Donc moi je pense que c'est une bonne chose en fait que Paris joue un gros en 8e. Faut jouer les gros à un moment donné, tu peux pas espérer, ouais, on arrive premier, on joue un deuxième, c'est bon. Il y a Francis Chivasri qui nous dit ça va et vous. Anis Barbouche, bonsoir la Family Football Club. Il y a Chika qui est toujours là, présent sur le chat. Franchement, il régale notre ami Chika. J'avais vu un commentaire. Likez les amis, c'est gratuit. Il faut soutenir la Family Football Club. Et ouais, t'as vu, hein, on est en mode San Pellegrino, Volvic, faut un peu plus de sous, hein, la Family. Hein. Les gars, donc ok, sur le Paris Saint-Germain, l'Europa League, est-ce que c'est pas peut-être un peu la bouffée d'oxygène, Wesley, pour l'Olympique Lyonnais, qui vit des heures clairement difficiles. Okay. Et parfois, tu sais, on s'accroche à une compétition et c'est la compétition qui crée, tu vois, ce côté un peu solidaire. On se dit, allez, on va la chercher. Ils ont l'effectif pour, je pense, en tout cas, de ma fenêtre. L'Europa League, aujourd'hui, pour l'Olympique Lyonnais, est-ce que c'est possible? Bah, je pense que, tu sais, quand t'es joueur, et Daniel, il pourra en témoigner, le championnat, ils sont 13e à l'heure actuelle. Ils sont loin. Et je pense que, naturellement, tu te dis, bon, le championnat, on va gratter ce qu'on va pouvoir gratter, mais sur l'Europa League, on va se donner à fond. À mon sens, ils ont le coach. Ils ont l'effectif. Par contre, je mets un bémol sur l'état d'esprit. Alors, bon là, j'ai l'exemple du PFC parce que je les ai vus jouer et je regardais les attitudes. Non, mais ça, ils ont mis l'équipe type, hein. Aouar, Paqueta, etc. Et tu vois, dès qu'il y en a un qui perd la balle, les mecs, ils gueulent, ils veulent pas faire les efforts, etc. Alors après, ils jouent contre une Ligue 2, certes, mais c'est révélateur d'un état d'esprit. Mais la phase de poule est satisfaisante en Europa League. Ils ont sorti des grosses performances et des gros matchs. Ouais, mais ça, après, ça, c'est Lyon. Lyon, c'est. Mais est-ce que justement, cette compétition, c'est pas peut-être. Voilà, ils se disent la qualification au bout en Ligue des Champions, un trophée européen, un Lucas Paqueta. Qui... Oui, je pense que de toute façon, ne serait-ce qu'individuellement, il y a des joueurs il y a des enjeux. Tu vois, Paqueta, on sait qu'il va essayer de targeter un club plus gros, Aouar aussi. Et je pense que, en fait, c'est un bon compromis pour l'OL, l'Europa League, que ce soit individuellement ou collectivement. Daniel, l'Olympique Lyonnais. Ben, moi, je suis d'accord avec lui. Par rapport à l'objectif, je pense que de toute façon, Olas, il veut des titres, hein, que ce soit d'un côté ou d'un autre. Lui, voilà, il veut se consoler, il sait très bien que ça va être compliqué pour aller en haut maintenant. Voilà, donc. Après, je vais revenir sur l'état d'esprit. En fait, dans ce club-là, on se pose les mille et une questions. Parce que quand il y avait, ils ont fait venir un Brésilien, là, que Juninho avait fait venir. Petit Sylvain. Le coach Silvinho. Voilà, petit Sylvain. On a compris ce qui s'est passé. Après, un problème de poigne. Rudy Garcia, il a un peu redressé. Parce que je trouve que Rudy Garcia, quand même, c'était cohérent ce qu'il proposait. Daniel, derrière... On t'a vu venir, Daniel. Sur Rudy Garcia. Non. Il est passé par le banc. Mais il l'a eu. Je l'ai pas connu. Ah, moi. Tu l'as pas connu. Pas du tout, non. Je l'ai pas connu, donc. Ah, il est mauvaise langue, hein, notre ami Zaghi. Voilà. Hein. Après, derrière, ils font venir un coach. Après, il y a des tensions entre le manager général. En fait, dans ce club, on ne sait pas trop ce qui se passe. Exactement. Fait. Ça tire dans tous les sens. Ouais. Et comme tu as dit, il y a des gestes d'humeur qui parlent en fait sur le terrain et c'est pas anodin. En fait. Ça se ressent jusqu'à dans le terrain pour toi, Daniel, quand il y a des problèmes dans le bureau ou dans l'administration. Eh bien sûr, parce qu'ils sont dans le vestiaire à la mi-temps, président, directeur sportif. Même avant le match, ils sont à l'hôtel, pendant la causerie, ils sont là. Donc quand il y a des tensions, ça se ressent. Hein, de toute façon. Voilà, ce sont des humains et je pense qu'il y a c'est pas sain. Pour moi, ce qui se passe à Lyon, c'est pas sain.
Parce que financièrement, quand même, ils ont un bon budget. Alors, ils ont des périodes où ça se passe super bien, et après d'autres périodes où ça passe à la trappe. Et là, l'Europa League, tu y crois pour eux ? Est-ce que ça peut être le... En fait, ils ont un équilibre fragile. Ils ont, leur atmosphère, il est fragile. Il faut que l'état d'esprit change. Et je pense qu'ils ont les moyens de faire quelque chose. Mais la moindre étincelle, ça peut péter. Amin Zaghi, voilà. Comme on dit, il n'y a qu'un seul Olympique. L'Olympique lyonnais, voilà, pour toi, c'est ça. pour toi, l'Olympique... Non, j'ai dit qu'il n'y a qu'un seul Olympique. Je n'ai pas dit que c'est l'Olympique lyonnais. Il n'y a qu'un seul Olympique, donc l'Olympique lyonnais. Est-ce que pour toi, l'Olympique lyonnais va rafler cette Europa League cette année, tout en sachant qu'ils sont déjà arrivés très loin avec l'époque, avec les Lacazette, Tolisso et compagnie? Pour moi, l'équipe de Lyon. Donc pas... Le FC Lyon. Non, mais après, pour être plus sérieux, Lyon a du cher. Moi je trouve que Lyon, c'est un gros gâchis. Parce que pour être plus sérieux, je trouve qu'ils ont un effectif qui est intéressant de ouf. Ils ont clairement des joueurs de qualité. Ils ont un effectif Europa League. Franchement, ouais, quand tu prends... Toko Ekambi, Lucas Paqueta, même chez Cherki, la jeunesse, la défense, Boateng, Lopez, qui aujourd'hui un gardien expérimenté. Je te rejoins. Emerson. Enfin, quand même, il y a du bon monde sur la pelouse. C'est pour ça que je dis, pour moi, c'est un gros gâchis, parce que ligne, si tu prends comme tu viens de le faire, ligne par ligne, ils ont une super équipe. Mais le problème, c'est que tout sent mauvais autour du club et dans le club. Ça veut dire que déjà, non, mais c'est-à-dire que là, c'est ce que dit Daniel et There is only one Wesley. Wesley qui nous a expliqué qu'il avait une chanson à Newcastle. à lui. Mais pour être plus sérieux, c'est-à-dire que pour moi, le président, il est à bout de souffle. Les joueurs, ils n'arrêtent pas de se disputer entre eux sur le terrain, à l'extérieur, etc. T'as Juninho qui a déjà annoncé son départ. En termes de com, il devrait mieux de prendre Amida, parce que quand tu vois comment ils annoncent le départ de Juninho, qui a annoncé même lui-même son départ en vrai. Ouais, mais il y a 3 semaines qu'il a dit je vais peut-être partir. Non, mais c'est-à-dire que le gars, il annonce son départ. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas au moins attendu la trêve hivernale pour dire voilà, bah, finalement, voilà, j'ai un nouveau projet, on s'est concerté avec le président. Là, ça faisait un peu, on s'est concerté avec personne. J'ai décidé que, que j'en avais marre, et donc je pars. Et je trouve que tout ce qui est le climat, l'atmosphère autour du club est en train un peu de tout gâcher, même le travail de Las depuis des années, qui avait fait, voilà, qui avait tout mis sur la formation, et même les jeunes qu'il prend, t'as l'impression que c'est des jeunes pourris gâtés, et c'est, sauf si après, vraiment, ils arrivent à redresser la barre avec un nouveau directeur sportif, et que Olas prenne un peu de distance, qu'il prenne ses 10 matchs de suspension, ou c'est, en tout cas ses 5 officiels, et que, voilà, peut-être que si après il y a une bonne dynamique en Ligue Europa, pourquoi pas. Amida, en termes de com, l'Olympique Lyonnais, ton analyse? Non, je pense que... Vraiment, Juninho, les déclarations, Jean-Michel Aulas, ses déclarations aussi après les incidents à Marseille, enfin contre l'OM et là, contre le Paris FC. Et moi, je veux ton avis d'experte aujourd'hui et qu'est-ce qu'il leur faut là pour se ressaisir. T'as le droit à un joker. Non, pour moi... non, mais c'est un avis d'expert, non, c'est pas une critique. Pour moi, Jean-Michel Aulas, il est clairement dans son rôle et il a raison en fait. Il a toujours été comme ça, il a toujours défendu corps et âme son club, et il le fera toujours. Donc moi, ça ne me choque pas plus que ça, et il a raison. Et ça montre aussi que bah voilà, il porte son club, même dans les moments les plus difficiles. Et Juninho. Juninho, après, c'est clair que le timing aurait peut-être été un peu... un peu meilleur. Un peu meilleur. Ah, c'est dur, hein, c'est pire que Pogba Niro Time. C'est pour ça que je dis la droite à un joker. Mais clairement, c'est dommage. Victoire Europa League pour l'équipe masculine ou pas? Oui, moi j'y crois pour l'Olympique Lyonnais, ouais, bien sûr. Mais Juninho, pour bien rappeler les faits, il a... Oh, l'enquêteur Wesley. Non, mais regarde. Non, mais Juninho, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été invité... Non, on va se la jouer média. Chez nos confrères d'RMC. Il a été invité chez nos confrères d'RMC. Que tu connais bien. Voilà. Et en fait... Donc tu fais partie. Non. Ouais. Elle est relou. Non, mais en fait... Tu vois, Rotten sans flamme. Et il avait dit, peut-être à la fin de saison, je vais partir. C'est comme ça que c'est parti. Oui. Et après... Il te l'a dit. Ah, mais c'est pas... Non, mais il a dit, peut-être fin de saison. Mais tu sais, lui, par contre, Juninho, ce qu'on peut pas lui enlever, il est franc. Tu vois, il... Pas de filtre. Lucas Touzard avait fait une déclaration en disant, les gars, il est tellement passionné, il aime tellement le club, qu'on pourra jamais lui reprocher mais ça. Voilà. Et exactement. Et c'était un peu trop... Et donc, du coup, il y a des joueurs, ça les a saoulés. Et là, en fait, à la base, il avait parlé, ouais, fin de saison, je vais peut-être vouloir voir autre chose, peut-être entraîner, nan. Et donc, de là, après, Olas, il a été questionné, et c'est de là que le bordel a commencé. Parce qu'il n'avait pas annoncé un départ en janvier, à la base. On va parler de l'Olympique de Marseille. Club que tu connais, club de ta région. Oui, mon club de cœur. Club de cœur, au moins c'est dit. Voilà, le Corazon a parlé. Marseille, au final... En basculant dans cette Conference League, est-ce qu'elle n'est pas à sa place en réalité?
pas vraiment, mais bon, ils n'ont pas le choix. De toute façon, ils n'ont pas fait un super parcours non plus. Bah, beaucoup de matchs nuls, les pauvres. Voilà. Enfin, en réalité, il y avait du contenu, mais il n'y avait pas les points. Voilà, bon, je pense qu'ils ont un effectif un peu juste. Après, on peut parler du coach Sampaoli par rapport à son système qui change souvent. Il permute beaucoup de joueurs, mais je pense que cette compétition, je ne sais pas trop sert à quoi. Franchement, chaque année, tous les deux ans, il y a un nouveau truc qui sort. Ah, c'est Netflix, hein. Voilà, ouais. Donc, après, voilà, ça va ramener, j'espère, de bons matchs. Et voilà, ils pourront se consoler, ils pourront essayer de faire un bon parcours, voire la gagner, pour essayer de consoler le public marseillais. Mais s'ils la gagnent, c'est un lot de consolation ou c'est une victoire européenne ? Lot de consolation, complètement. Ouais. Voilà. Et Sampaoli, tu parlais de Je ne sais pas si c'est une coupe ou une médaille qu'ils vont recevoir. Non, c'est un bon d'achat. C'est la Bombonera ce soir. Moi, je vous ai dit que c'était la Bombonera. Sampaoli, oui. Justement, ces changements de système, un peu un effectif court, les efforts, est-ce que t'es fan de cette méthode ? J'aime bien parce que, bon, il est deuxième. Voilà. Donc, c'est les résultats. Après, beaucoup de gens se posent des questions, bien sûr. Ils pensent qu'il nous faut un vrai neuf. Bon, Milik qui est. Oh, Daniel, un vrai neuf. Non, Milik, il est là, mais il revient doucement. Mais en fait, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, voilà, ils sont deuxième et c'est quand même assez cohérent. Il fait beaucoup participer le gardien dans le jeu. Ouais. On voit un peu à la Guardiola qui faisait ça, ou Bielsa aussi. Donc ça porte ses fruits. Espérons qu'on puisse se qualifier pour la Ligue des Champions. Voilà, après, parfois on s'ennuie un peu. Parce que ça tourne à gauche, à droite, voilà. On est là, on dit, qu'est-ce qui se passe en fait ? Parce que je suis allé voir un peu des matchs quand même, mais bon, après, à la fin, le résultat, il est là. Dimitri Payet, cette année ? Il est exceptionnel. Je pense qu'il mérite même être dans le groupe, en équipe de France. Hein, voilà, pour son expérience, et même s'il rentre 10 minutes. En tout cas, moi, pour moi, c'est la meilleure saison qu'il fait à l'OM. En fait, l'impact qu'il a dans l'équipe, la présence, vraiment, je le sens cette année comme le vrai leader de cette équipe. Avant, il l'était, mais... En intermittence. Voilà, ouais. C'est ça. Là, tu sens que vraiment, il a pris le jeu. Il n'a pas à partager non plus ce costume de leader qu'il partageait un peu avec Florent Thauvin. Il n'a pas partagé, il n'est pas trop. Il faut que ce soit lui. Voilà, il a pris le jeu à son compte, même s'il n'aime pas trop les petites bouteilles d'eau. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On a de la San Pellegrino, voilà, ouais. Dimitri. Ça fait mal, hein, les bouteilles d'eau. Ça, c'est sûr. Wesley, l'Olympique de Marseille, toi qui es vêtu de ciel et blanc ce soir. Mais ouais, non, mais... Non, l'OM fait cette conférence ciel et blanc, ligue. C'est le Racing Colombes. Ah, ouais, ça c'est le club. Comment il s'appelle Smile, ouais. Smile, exactement. Michael Salut aussi, Amic. Ah oui, c'est vrai, c'est un Amic dédicace. Mais pour répondre par rapport à. Dans cette conférence, est-ce que vraiment tu vas suivre le parcours de l'Olympique de Marseille dans cette compétition ? Ou comme le disait Daniel, c'est un lot de consolation ? En fait, je vais dire pourquoi je pense qu'ils sont à leur place. Rester deuxième, ça va demander beaucoup d'énergie. Oui. Ça va demander beaucoup d'énergie, les matchs que tu vas devoir jouer en championnat. Donc si en milieu de semaine, à chaque fois, tu as des gros matchs en Europa League, parce qu'il reste pas mal de grosses équipes. Alors même si sur la Conference League, je crois qu'il reste Glasgow, Fenerbahçe, Vitesse Arnhem, il y a quelques clubs assez intéressants. Mais je pense que pour l'OM, c'est bien. Il y a pas mal de jeunes joueurs, malgré tout, à Marseille, qui manque d'expérience européenne, donc, et qui manque surtout de gérer pourquoi le fait c'est de le jouer. Bon palier pour garder la deuxième et jouer la Champions. Exactement, ouais, je pense que c'est même le meilleur compromis. Je pense que c'est... En fait, sur le coup, j'y ai pas pensé, mais avec un petit peu de recul. Et là, en discutant avec moi un peu, t'as eu la lumière. La lumière est venue del Bombonero. Elle n'est pas venue de Laurent Blanc, elle est venue de moi. Amin Zaghi, mon frérot, toi, oui. Supporter, comme le disait Daniel, lui aussi, donc il fait partie de la famille, la grande famille marseillaise, la région, disait Abdoulaye Maïté, qui était ici. Ah, ok. Ouais. Contre qui t'as joué. Oui, oui, bien sûr. Tu lui as mis quelques petits coups d'épaule. Hein. ouais, c'est arrivé. Ouais. Bah, après, à mon poste, j'ai pas trop le choix. Amin Zaghi, dis-moi. Cette Conference League, est-ce qu'elle te passionne ? À jamais les premiers. Purée, tu m'as volé ma punchline depuis tout à l'heure, j'attends pour la dire. C'est vrai, ouais. Après, non, mais... après, pour être plus sérieux... Je le vois venir, à jamais les premiers. Après, pour être... À participer. Pour être plus sérieux, tu joues Karabag, Mont-de-Marsan, Torcy,
c'est un peu compliqué. Je peux pas me dire que la CAN des quartiers, c'est mieux que la Conférence Ligue. J'ai l'impression. La CAN des quartiers, c'est mieux que la Conférence Ligue. Non, tu vas à la CAN de Noisy, il y a plus de niveaux. Non, mais honnêtement, après, je pense que tu vois, moi, j'aurais préféré être éliminé des Coupes d'Europe parce que si c'est. Moi, je kiffe le. Normalement, l'OM, c'est l'Europe. Même moi, je kiffe par exemple la Ligue Europa. Je kifferais que l'Olympique de Marseille gagne la Ligue Europa. Bah, mais... le parcours magnifique. Oui, parce que l'OM, parce que la finale face à la et surtout parce qu'elle nous a toujours, voilà, elle nous a tendu les bras jusqu'en finale et plusieurs fois, elle nous a. Bah, Valence aussi, voilà. Contre Valence, avec l'expulsion de. Donc ça, l'expulsion voilà. De Fabien Barthez en 2004. Exactement. Oui, avec Colina. Non, pas, c'était pas Colina. Non. C'était l'arbitre qui est reparti avec le maillot de Narboni, le mec de Valence. C'est ça. Manière, on lui a rien dit après, hein, bien évidemment. Il s'est rien passé dans ce match-là non plus. Mais je pense que pour Drogba, c'était l'épopée Drogba. Ouais, c'était Meriem, Drogba, Kamel Meriem, Zani, Mido. Et le problème, c'est que l'Europe, ok, mais là, comme j'ai dit, c'est un peu c'est l'Eurovision. Et je trouve qu'en en vérité, là, l'Olympique de Marseille, je préfère qu'on concentre notre énergie pour aller loin, pour assurer cette seconde place en Ligue des Champions, continuer de jouer la Ligue des Champions une deuxième année d'affilée, pouvoir recruter, continuer la progression. Plutôt que se perdre sur des matchs d'interville du jeudi soir où on va cramer l'effectif, où pour moi ça servira à rien. Donc honnêtement, si on la gagne, bah, comme a dit Amida, on gagnera des bons d'achat peut-être à Corail ou à Intersport, mais ça ne nous permettra pas de valoriser le standing de l'Olympique de Marseille. Daniel, tu crois au projet Pablo Longoria là? Ouais, j'y crois. Hein, j'y crois. Un projet, en fait, c'est pas du jour au lendemain. C'est hein. Pour ça. C'est sur des années. En tout cas, il est très apprécié à Marseille parce qu'on le voit beaucoup. Et toi, de ton œil extérieur, de ce que tu vois, de tes expériences passées avec d'anciens présidents de club. Ce que je vois, c'est que c'est cohérent, en fait. C'est cohérent et ce qui est important aussi, c'est qu'il y ait une bonne entente entre lui, le coach, et le président, en fait. On a l'impression qu'ils sont, dans la main, quoi. Complémentaires. Donc, ce qui n'était pas le cas avec Villas-Boas. Donc, est-ce que tu penses que Pablo Longoria, il a tout de suite compris Marseille? Avec un entraîneur sulfureux, sud-américain. Il s'est bien adapté. Ouais. Il est arrivé, il a analysé, il a bien analysé. En respectant l'identité du club. Voilà. Et il a compris que les supporters, les gens, les Marseillais, les gens de la ville, quoi. Donc, ils ont vraiment un lien fort avec le club. Ce qu'il n'a pas forcément compris Héros. Ça, bah c'est oui, sûr. Lui, alors, non, lui, mais il a même dit que si on est supporter de Marseille, il ne faut pas travailler à l'OM. Ouais, ouais, mais lui, c'est. Ouais, je vous ai pas dit aussi, je joue avec les vétérans de l'OM. Ah! Bah oui, avec l'OM Star Club. Ouais. Donc on s'entraîne à la commanderie tous les lundis. Trop bien. Donc, on peut venir ou pas? On est invité. Ouais, avec le Covid, c'est un peu compliqué. Donc, tous ceux qui travaillent à les gardiens, tous ceux qui travaillent à l'intérieur du centre d'entraînement, c'est des gens que je connais, moi, de Marseille. D'accord. Et c'est normal que c'est des gens des Marseillais qui travaillent. Donc, il y a du niveau là chez les vétérans, il y a qui? Oui, il y a comme ancien pro, il y a Nicolas Marin. Ah ouais, le petit là. Argenté. Là, on essaie de faire venir toi Filou, il nous a dit oui là parce qu'il est avec les U19 toi Filou. Oui, exactement. Ouais. Ouais. La bandelette. Les bandelettes. Voilà, il y a aussi Martial Robin, un ancien du club qui a été formé, qui a joué longtemps à Ajaccio. Voilà, on n'est pas beaucoup, après le reste c'est des mecs qui ont joué parce que c'est pas facile de faire venir des anciens pros. Mais tu plantes encore là-bas hein? Bien sûr. T'as combien de buts là? Ben là, au classement, on a plus 67. J'ai dit, c'est le pitchichi. Non, mais bon, après, la plupart, on a joué quand même à un bon niveau. Ouais. Et les vétérans, c'est... Voilà, ça court 5 minutes, 10 minutes. Après, ça arrête pas de s'engueuler. Et après, ça finit au clubhouse. Non. Ouais. Ça dépend. Ça dépend, voilà. Voilà, merguez et tout, ça dépend. Mais après, si tu t'entretiens un peu, c'est sûr que c'est compliqué pour eux. Voilà. Mais en fait, je passe des bons moments. On a fait un tournoi à Marrakech. On est parti. C'est pas mal. C'est mieux que le club net. Voilà. On est parti aussi faire un tournoi. À... C'est pas le Marrakech. Il est 7h30 contre Roissy. Ils nous ont invités à l'Alpe d'Huez aussi, où il y avait Lyon et Saint-Etienne. Les vétérans de Lyon et Saint-Etienne qui étaient venus. Donc ça va. Non, mais génial. C'est incroyable. Ouais. On va faire une FIFA Cup vétérans. Ouais. Donc, ouais, l'Olympique de Marseille de Pablo Longoria, toi, pour le coup, aujourd'hui, tu te dis vendre l'Olympique de Marseille, c'est pas. Non, je pense qu'ils sont sur le bon chemin, ouais. Au niveau de la gestion, ce qu'ils dégagent et surtout l'approche qu'ils ont avec les supporters, les gens du club, c'est positif.
Donc, ils ont redressé la barre parce qu'à un moment donné, ça partait en vrille. Ils ont bien redressé la barre. Et pourquoi tu veux changer Voilà, maintenant, ce qu'il faut, c'est un peu plus de moyens parce qu'on a besoin de gros joueurs à l'OM. Ouais. Voilà. On a besoin de concurrencer le PSG. Moi, on sent cette envie quand même de concurrencer le PSG. Ah oui, il le faut. Ben, il faut, dans les grands pays, les gros classicos, comme on dit. Les rivaux, ben oui. Ils les ont. Bien sûr, bien sûr. Barça, Real, ouais. Marseille-Lyon, ça ne suffit pas. C'est bon, ça nous saoule. Il faut vraiment trois gros clubs, voilà, comme dans d'autres pays le font. Et, moi, c'est mon avis et ma vision. Voilà. Merci beaucoup, les gars. Quel débat magnifique. Et là, on va attaquer avec notre numéro 10 de la famille. Ah là, on va être sérieux là. Là, ce soir, c'est pas la Bombonera. Alors là. Ce soir, c'est le 5 juillet à Alger ce soir. Ce soir, c'est Blida ce soir. Ce soir, c'est Tizi Ouzou, c'est Tlemcen, c'est Oran, c'est Alger. Toute l'Algérie a vibré pour cette Coupe arabe. Oui. Hamida a vibré en direct du Qatar. C'est pas le même. C'est une semaine que tu l'as. Je dors avec, alors. Le petit sac qu'il faut, là où il faut, la com à l'état pur, s'il vous plaît, pour son retour, joue-la comme Hamida. Alors aujourd'hui, c'est un joue-la comme à la sauce qatari. En effet, je vais vous parler d'une compétition à laquelle j'ai pu assister, donc la Coupe arabe, où le grand vainqueur n'est autre que l'Algérie qui, en plus de régner sur l'Afrique, règne désormais sur le monde arabe. Flo, tu peux remettre ou pas? Parce que... On n'a pas entendu. Ils ont besoin de comprendre, je pense. Oh là. Même Flo, il a bégayé, le pauvre. Ça a éteint. D'accord, voilà. Donc tu les as éteints. On les a éteints. Et du coup, je vais vous montrer à quel point, surtout, une compétition qui a eu une très faible visibilité dans les médias a pu exploser grâce aux réseaux sociaux. La Coupe arabe, c'est plus de 20 millions de publications sur Instagram pour le monde francophone et anglophone. Et une finale qui a été vue à près de 5 millions de viewers sur YouTube. Incroyable. Sur le compte de FIFA TV et de beIN Sport arabe. Alors déjà, est-ce que vous savez combien de Coupes arabes il y a eu depuis sa création en 1963? Pas du tout. Deux? Non, on en a une dizaine. Non, une dizaine. 10, 15, hein. Il y en a eu 12. 12. Ouais. Bon, on n'entend pas parler. Hein. Exactement. Non. Ouais. Exactement. Et on est tous d'accord sur le fait que le premier tour de cette Coupe arabe était bof, que c'était pas vraiment transcendant, et que ce début de compétition était aussi passionnant qu'un épisode de Plus belle la vie, jusqu'au derby Maroc-Algérie, Hawaï contre Selecto. Alors je vais vous expliquer également comment deux facteurs importants ont complètement bouleversé cette édition et l'ont rendue beaucoup plus sexy qu'elle ne l'était. Donc tout d'abord, c'est les drapeaux des deux pays qui ont déferlé sur les réseaux sociaux. Comme le variant Omicron déferle en ce moment sur la France. Et ce derby maghrébin a déchaîné les passions avec près de 311 millions de tweets. C'est ouf. Sur le sujet et plus de 2,5 millions de viewers sur FIFA TV sur YouTube. En termes de métriques, c'est énorme, Hamida. C'est incroyable. D'accord. C'est incroyable. Non, peut-être qu'on se dit 300 millions, mais peut-être que la moyenne, j'exagère, un milliard, mais donc 300 millions, c'est... Non, c'est énorme. D'accord. Franchement, c'est énorme. Et surtout, le fait qu'il y a aussi le fait que FIFA TV et beIN Arabe ont diffusé ces matchs gratuitement sur YouTube, ce qui a augmenté un petit peu la visibilité de la compétition. Et ce classico maghrébin a été magnifié par l'étoile filante des Fenech, Youssef Belaïli. Le maillot que tu portes. Le maillot que je porte. Mais quel but, franchement, quel but de Youssef Belaïli. Et moi, je l'ai vu en direct. J'étais au stade. Et en effet, le match n'était pas hyper fou. On sentait qu'il y avait quand même beaucoup d'enjeux, etc. Mais on s'ennuyait. Il n'y avait aucune audace dans le jeu. Et ma pote commençait même à faire une soirée un peu confidence. Et là, je regarde la lune. Elle brille. Je regarde le gardien marocain qui s'avance. Et là, le coup de génie de Youssef Belaïli se lobe à 70 mètres. Et là, toute l'Algérie retient son souffle. Moi, j'avais pas ma ventoline. Et voilà, ma réaction. Ma réaction. Et toute l'Algérie a célébré. Et là, franchement, Belaïli, c'est l'amour du risque. Et quoi de plus normal pour le roi de Oran? Et ce chef-d'œuvre a été repris par des centaines de stories, et retweeté des millions de fois. Et je vais vous remontrer ce but, parce qu'on ne peut pas vivre encore un seul jour sans regarder ce but. Tous les jours. Flo, si tu peux nous le mettre. L'inspiration, elle est incroyable. C'est ouf. Parce quelle inspiration. Fraction de seconde,
c'est un truc de ouf. C'est incroyable. Ouais. Incroyable, vraiment. Comme Zidane, il avait marqué un but comme ça. Oui, à Bordeaux contre Séville. Ouais, ouais. Ou à Séville. Après, je ne sais plus si c'était contre Séville, mais oui, ouais. C'était à Séville. La main. Du milieu de terrain, ouais. Du milieu de terrain, ouais. C'est ça. Sans regarder même la balle, tout, boum, ouais. Il la met. Ça, c'est la marque des plus grands. Il y a Kadri aussi qui a mis un super lob cette année, ouais. À Metz. Exactement. Et moi qui ai bossé chez Instagram et Facebook, j'ai rarement vu ça. Et de nombreuses célébrités et célébrités aussi également du monde du football ont donné plus de visibilité à Belaïli, beaucoup plus que les soirées foot sur certaines chaînes qui n'ont pas diffusé, qui n'ont clairement rien fait. Et son but magnifique et ses nombreux petits ponts qu'il attend vanté ont été beaucoup plus utiles que son agent parce qu'il a déjà annoncé lui-même qu'il était en partance pour un club européen sur ce mercato. Et niveau popularité, cette inspiration géniale lui a été beaucoup plus bénéfique que Magali Berda parce qu'il a pris plus de 700 000 followers sur Instagram. C'est incroyable. Et ce but, c'est son meilleur placement de produit. Et oui. Et un jour, un artiste a dit « Même si vous me ramenez Belaïli, si vous me ramenez Messi, je n'en ai pas besoin, j'ai Belaïli. » Et voilà. Et Youssef, si tu veux que je développe ton image après cette compétition, aujourd'hui, plus qu'hier, tous les feux sont au vert. Voilà. Tu peux enlever Flo. C'est cette chanson-là où il dit ramenez-moi, ne me ramenez pas Messi, on a Belaïli. Non mais franchement, Amida, quel retour fracassant. Merci. Dans cette Bombonera. Joue là comme Amida, merci, c'était comme quel d'habitude retour. Exceptionnel. Quel retour. L'Algérie, justement, sans transition, favorite de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et pourquoi pas rêver d'un excellent parcours mondial. Pourquoi pas rêver de la victoire, on ne sait jamais, pour un premier pays africain. Daniel, ton avis là-dessus, sur l'Algérie, après la victoire à la CAN 2019, cette Coupe arabe sans les joueurs cadres, hein, on parle de Benacer, Mahrez, qui ont été retenus dans leur club, est-ce que tu penses que l'Algérie est archi-favori de cette prochaine compétition? Pas archi-favori, mais favori, oui. Ils ont de très beaux joueurs et en plus depuis depuis que Jamel il a repris l'équipe, ouais. Je pense qu'il a rééquilibré plein de choses avec la fédération aussi parce qu'il y avait c'était un gros bordel. Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc je pense qu'il a remis un peu tout ça en place. On lui a donné les cartes en main. C'est important un entraîneur. Ouais. On le laisse travailler. On le laisse mettre en place bien son projet. Et sur ce que j'ai vu, il est apprécié par ses joueurs. Donc sur ce que je vois dans les médias, donc oui, pour moi, c'est une équipe qu'on devra compter sur eux dans le dernier carré, ça c'est sûr. Wesley ? Moi, je suis un peu mitigé. Wesley, Wesley. Non, regarde. Wesley, commence pas à dire dingue. On devrait être cousins ensemble, frérot. laisse-moi finir. Non, je suis mitigé dans le sens où, effectivement, officiellement, oui, favori. Mais officieusement, quand tu viens de gagner une grande compétition, c'est très, très dur de réitérer. Et comment l'Algérie a gagné la CAN, du coup, là, ils vont être attendus par tout le monde. Tu vois, donc tu dois jouer différemment. Et même Jamel Belmadi, il l'a dit à plusieurs reprises dans les médias. Après, je sais qu'il prévient ses joueurs. Non, tu penses que les sélections vont jouer autrement maintenant en fait, face à l'Algérie? Bah, parce que c'est le favori par excellence. Il n'y a pas de débat sur ça. Mais je pense que justement, sportivement, ça va être plus compliqué d'aller au bout. Et si tu prends même l'historique de la CAN, t'as trois équipes qui ont réussi à... T'as l'Égypte qui avait gagné, je crois, 2006, 2008, 2010. C'est trois fois de suite. Voilà, ouais. T'as le Cameroun, 2000, j'étais obligé de la placer. Ouais, oui, 2000 ouais. Et 2000 et... Rico Bert et Samuel. Voilà, 2000 ouais. Et 2002. Mais regarde, même quand le Cameroun, il gagne, c'est deux fois au pénalty. Ouais. Contre le Nigeria en 2000 le et Sénégal en 2002. Après, le Sénégal avait fait un beau parcours mondial. Voilà, exactement, donc ça monte. Et il y a le Ghana aussi, mais dans les premières années. Donc tout ça pour... Même si je sais que... voilà, les gens qui aiment le foot, les gens qui aiment l'Algérie, etc., ils sont aussi très enthousiastes. Mais il faut rappeler à tout le monde que c'est très dur de gagner deux fois le même... Et toi, la CAN, alors pour toi, le favori pour toi, pour Wesley ? Sénégal. Sénégal ? Ouais, Sénégal et... Sénégal par rapport à la dernière CAN. Tu vois, ils vont forcément revenir avec cet esprit de revanche. Mais par contre, si l'Algérie fait le job
sur la préparation, je pense que ça va être dur d'aller chercher. Le pays organisateur ? Après, je suis objectif, même si je suis originaire du Cameroun, je suis objectif et je pense qu'à ce jour, le Cameroun est un favori, mais pas le favori. Hamida, en 2019, l'Algérie, j'ai pas envie de dire sort du nulle part, mais fait une compétition fracassante. Oui, clairement. Mais qui n'est pas attendue pour la victoire finale. On attendait le Sénégal, on attendait surtout le Sénégal d'ailleurs, de Sadio Mané, plus qu'autre chose, qui était archi favori. L'Égypte. L'Égypte. Merci Amin Zaghi. Même le Maroc. Le Maroc. De Benatia, de Ziyech, de Fajer et Ziyech surtout. On n'attendait pas l'Algérie en 2019. Depuis 2019, force est de constater que l'Algérie victorieuse, la Coupe arabe et surtout invincible. C'est ça. Est-ce que tu penses que cette série d'invincibilité va continuer lors de cette prochaine Coupe d'Afrique ? J'espère. Après, c'est vrai qu'on est énormément attendu. Parce que voilà, il y a cette série d'invincibilité, il y a la victoire à la CAN en 2019, il y a là la victoire en Coupe arabe. Après, pour moi, clairement, l'Algérie a toutes ses chances. On parle beaucoup du Sénégal, mais enfin, jusque-là, pour moi, le Sénégal n'a pas été extraordinaire, n'a pas montré grand-chose sur le terrain. Pour moi, voilà. Et pour moi, clairement, l'Algérie est favori, elle a toutes ses chances. Là, on a vu qu'avec les joueurs issus de la formation locale, qu'il y avait énormément de belles qualités, qu'il y avait des joueurs qui pouvaient être des doublures. Je pense à la doublure de Attal en défense centrale avec Benayada, etc. Pour moi, on a une très belle relève de certains même titulaires aujourd'hui dans le 11. Brahimi qui a fait une coupe arabe exceptionnelle, qui a aussi sa place. Donc pour moi, oui, l'Algérie est favori et pour moi, on peut clairement gagner une deuxième fois la CAN, en toute objectivité. Amin Zaghi, je sais pas ce que tu vas me sortir. Je sais pas ce que tu vas me sortir. Il va m'attaquer. Non, moi je dis juste que en 2019, on était tapis dans l'ombre. Personne ne nous voyait, comme tu l'as si bien dit. On avait eu Madjer et à chaque fois qu'on a Madjer, ça se passe mal. Ouais. Voilà, donc comme disait Daniel, la fédération, on ne laisse pas travailler, tu viens pas pour travailler, non, tu viens pour ta politique. C'est surtout, moi ce que j'aime pas, c'est la guerre entre les binationaux et les locaux. C'est ça. Madjer, il aime trop faire ça. Chauffer un peu le truc. Il l'avait dit publiquement aussi. Bien sûr, il l'avait dit publiquement. Et au bout d'un moment, je pense que le plus grand mérite de Belmadi, c'est d'avoir dit, les gars, il y a une seule nation, une et indivisible. Vous portez tous, quand vous venez ici, il n'y a pas de binationaux local ou ce que vous voulez. Soit vous défendez le maillot, soit vous sortez. Tu étais avec lui là quand il disait ? Bien sûr, il m'a appelé. Pour être plus sérieux, il a laissé aucun passe droit ni à Marez, l'épisode du bus où il a laissé sur le côté aller à l'entraînement. Même Belaïli, qui a relancé ? Qui connaissait Belaïli ? Même les Algériens ne le connaissaient pas. Oui. Il est parti le chercher et je me souviens très bien, il avait dit, vous allez voir, ce gars-là, il a gagné la Ligue des Champions. Et j'ai besoin de joueurs qui connaissent l'Afrique. Mais surtout, je sais pas si vous vous souvenez. Scand, le truc avec Belaïli. Avec Bounedjah aussi, c'est les deux. Mais pour Belaïli, il a l'étoile du Sahel et l'espérance de Tunis pour rendre à César ce qui appartient à César. Il a une histoire plus sombre. Il était plus aimé des Algériens. C'est-à-dire que les Algériens ne voulaient plus de Belaïli à cause des histoires extrasportives. Oui, il a des histoires extrasportives. Voilà. Qui sont graves. Non, mais après, moi, je ne savais pas savoir si c'est vrai. Non, mais je comprends l'image. Voilà, je dis juste qu'il avait une image. C'est pour ça qu'Amida, il faut qu'elle reprenne le compte Instagram de Belaïli. Il avait une image. Youssef, Amida 10. Il avait une image sulfureuse. Même lui, je pense qu'il n'y croyait plus à l'équipe d'Algérie. Et le fait d'avoir ramené un joueur comme ça, lui dire écoute, t'as un talent incroyable, l'équipe nationale a besoin de toi, mais par contre, tu dois jouer le jeu. En fait, il a tout fait comprendre qu'ils doivent jouer le jeu. Pour moi, l'Algérie est archi favori. Contrairement à ce que pense Daniel, sur la CAN. Mais ça ne veut pas dire archi favori que tu vas gagner facilement. Non, là, vrai. Tout le monde va nous attendre. J'ai surtout peur de l'arbitrage. Parce que quand on voit des arbitres qui font les lacets des joueurs adverses, j'en avais fait dans les dingueries de la semaine, je me dis que ça va être chaud. Mais au bout d'un moment, si tu es invaincu depuis 3 saisons, que tu prends la CAN, que tu prends la Coupe arabe, tu ne peux plus te cacher. On n'a plus le droit de se cacher. Plus dire non, on verra ce que ça va donner. Après, on n'a aucune garantie. Mais en tout cas, sur la CAN, on doit y aller en se disant on doit la ramener une seconde à Algérie. Daniel, toi qui as été capitaine de la sélection du Gabon, comment tu, justement, ce que disais, je vais rebondir sur ce que disait Amin Zaghi, sur les binationaux, sur ce mélange entre les locaux, les binationaux, est-ce que c'est vraiment compliqué ou... Au Gabon, non. En fait, le problème au Gabon, c'est que le championnat, il est faible. D'accord. Il est faible, il y avait une trop grande différence entre ceux qui jouent en Europe. Ouais. Et ceux qui jouent, en plus le championnat au Gabon, là il a arrêté, ça fait 2 ans. Je ne sais même pas s'il est prêt à redémarrer. Ah oui, d'accord. Ah oui, mais le championnat au Gabon, des fois, quand ça commence ici, ça arrête là-bas, ils sont à l'envers. En fait, des fois, après, ils prennent les vacances. Mais sur quel critère, sur quel critère c'est l'aspect financier qui met en difficulté.
pardon, le championnat, parce D'accord. que en fait, c'est pas comme ici où les clubs, il y a des sponsors. D'accord. Voilà, les sponsors, il y a des sociétés. Le championnat, il est alimenté pratiquement par que par des sponsors, en fait. Non, que la fédération et un D'accord. peu l'État, les subventions de l'État. D'accord. Voilà, il n'y a pas les droits TV, il n'y a pas tout ça. Okay. Donc, parfois, quand l'argent, il ne vient pas ou il disparaît, voilà, le championnat, il s'arrête, tout simplement. Et en fait, moi, quand j'étais manager, j'avais mis en place des stages de perfectionnement pour que les locaux puissent faire des entraînements pour se mettre au même niveau que ceux qui sont en Europe. Sur le point de vue technique. Parce qu'il n'y a pas de préformation, il n'y a pas de formation au Gabon. Donc techniquement, des mecs qui arrivent des fois en équipe nationale, bon, parce qu'ils sortent du lot, techniquement, c'est limite. Et tactiquement aussi. Donc nous, on avait vraiment ce problème-là qui était lié au championnat. Donc ouais, les binationaux, pour vous, il n'y avait pas de sujet en fait. Voilà, moi je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Parce que j'ai mes premiers pas en équipe nationale, j'étais en Ligue 2 à Niort, avant que je parte au Mans. T'arrives, tu joues avec des joueurs, bon, voilà, qui sont limités. Voilà, ça court un peu de partout. Bon, tu connais un peu. Ça court partout. Tu dis, c'est quoi ce football? Ouais. Non, c'est pas leur faute. C'est pas la faute des joueurs. Après, il y en a certains qui arrivent à sortir du lot. Mais pour toi, c'est pas le cas, Daniel, sur l'Algérie, par exemple. L'Algérie, ils ont un bon championnat. Il est régulier. Il s'arrête pas. Oui, non, par contre, là, oui. Voilà, il y a des bons joueurs. Voilà, donc, c'est pas comparable. Et l'Algérie, pour toi, pour le mondial, au Qatar, est-ce que tu penses. Voilà, parce que on se dit toujours, ouais, mais ils sont sérieux, l'Algérie, à la Coupe du Monde. Mais il y a quand même un joueur qui s'appelle Riyad Mahrez. Ouais, mais c'est pas un ou deux ou trois, quatre joueurs qu'il te faut au mondial, c'est un effectif. Non, mais là, justement, est-ce que là, justement, ils ont gagné la Coupe arabe avec l'équipe B. Je vais pas dire la remporter, mais le dernier carré, elle est vraiment titillée. Parce qu'ils sont pas passés loin avec eux en 2014. Pas le mondial. L'Allemagne, non. Je pense qu'ils peuvent faire un bon parcours, mais je pense au niveau de l'effectif, ça va être un peu léger. Et moi, je pense pas, non. Ouais. Non. Bah, tu vois, je suis pressé de voir l'Algérie à la Coupe du Monde. Parce que forcément, il y a cette histoire d'invincibilité, il y a les Cannes, etc. Et je pense qu'ils vont arriver à la Coupe du Monde avec un état d'esprit différent. Parce qu'à la Coupe du Monde, ils ne vont pas être attendus comme à la Cannes. Tu vois, c'est sûr. Donc, du coup, l'approche, elle va être beaucoup plus dans l'esprit du conquérant. Tu vois, et je pense que pour aller loin dans une compétition comme la Coupe du Monde, font un groupe qui se transcende. Et ça, l'Algérie, ils l'ont. C'est ça, il n'y a pas de débat sur ça. Et je pense qu'ils vont aller en Coupe du Monde en mission, tu vois. Et je pense que ça, c'est compris par les joueurs et par le pays. Amida, le mondial, t'y seras déjà? J'espère. En tout cas, c'est prévu. Moi, j'attends juste qu'on passe les barrages. Parce que là, on parle comme si vous avez déjà passé les barrages et tout. Mais bon, non, allez. C'est ça. Il faut. Bah, déjà, l'histoire de barrages, des barrages, moi, ça me met hors de moi. Ça va être des matchs difficiles. Voilà, toi, et les gestes barrières, c'est pas trop ça. Pourtant, on est dans la 12e vague là. Non, plus sérieusement, je pense que moi, là, j'irai en Coupe du Monde, j'y crois. Et je pense qu'on peut aller titiller les plus grandes équipes. Aujourd'hui, on a quand même le groupe qui. Qu'est-ce qui te laisse penser ça? C'est le groupe, toi? C'est les individualités aujourd'hui? C'est le groupe et puis cet amour du maillot. Je pense que très peu d'équipes l'ont aujourd'hui. Je pense, les Brésiliens, les Argentins, non, tranquille. Hein. Non, après. Ils vont au Club Med au Qatar. Non, après... Ils ont pas un peuple de ouf derrière. C'est pas la Bombonera. Respecte un peu la Bombonera. Il n'y a pas que des équipes en Coupe du Monde. C'est vrai. Attention à la Corée du Sud. Hein. Attention, c'est du très lourd. Les Pays de Galles, tout ça. Non, mais plus sérieusement, moi, je pense que voilà, on peut aller titiller les plus grands et espérer gravir les échelons petit à petit. Moi, j'y crois fort. Soyons honnêtes, l'Algérie devra faire face à l'arbitrage et certaines fédés qui jalousent son parcours. Massinissa, Argaz, alors lui, on sait d'où il vient. Massinissa, ouais, je pense qu'il vient de Suède. On sait d'où il vient. Donc, mais dédicace à lui quand même. Ouais, mais il dit, elle sortait en 2019 de nulle part, l'Algérie, pour ceux qui ne connaissaient vraiment pas l'équipe pour le cas. Amine Zaghi, allez, pour clôturer ce débat, on t'attend très fort là-dessus. La Coupe du Monde au Qatar. Tu seras au Qatar? Bien sûr. Je te le signe tout de suite. Mais pour être plus sérieux, je pense que déjà, moi, ce qui me fait peur, c'est le barrage. Je suis sûr qu'on va jouer l'Égypte.
parce qu'il n'y a jamais de tirage clair favorable, en Afrique. Et favorable pour l'Algérie. Et je pense que... Je suis pas au courant. Voilà. Déjà, moi, on a déjà parlé plein de fois ici, mais c'est un scandale, ces histoires de barrages. On aura, quoi qu'il arrive, si c'est pas l'Égypte, ce sera un match compliqué. Et je sais très bien que, moi, il y a quand même des choses qui m'inquiètent pour l'Algérie. La défense, le milieu et l'attaque, bon, je me dis, bon, on n'a pas un vrai neuf fort. On a Bounjer qui joue au Qatar. Et pour moi, je serais jamais rassuré de le voir à la pointe de l'attaque. Et défensivement, on a des joueurs qui se blessent tout le temps, comme Youssef Attal. On a Ben Lamri. Chaque jour, je le vois une ride qui pousse plus sur son front, des cheveux blancs. Le gardien, je le kiffe, mais c'était le même qu'en 2010. Ça commence à... Moi, je me dis que, surtout, j'aime pas quand il y a trop d'enflammage, quand on s'enflamme trop sur l'équipe d'Algérie. En général, c'est des grosses désillusions. Procédons par étapes. Mais heureusement, on a Belmadi. Il va leur dire, les gars, d'abord, on se qualifie. Parce que moi, je veux pas qu'on dise la Coupe du Monde. Moi, j'ai trop peur. Pas de coupe. Moi, d'abord, c'est des barrages. Est-ce qu'on sera favori des barrages? C'est un drame, là, si tu perds les barrages. Ah oui. Et bien sûr. Parce que là, avec une génération pareille. T'as parlé à vous, mais j'ai répondu, désolé. Une génération pareille qui va pas au mondial. Mais c'est. Moi, parce que pour moi, c'est la meilleure équipe algérienne de l'histoire. Mais bien sûr. Et c'était la Bombonera dans la Family Football Club. On passe au Bombonero Time avec notre ami. On va se poser, on va vous écouter. Daniel, parce que moi j'adore les anecdotes des anciens joueurs. Pris des belles photos de moi quand même, hein, parce qu'il y avait mieux. C'est vrai qu'il y avait ouais, mieux. C'est vrai qu'il y avait pas mieux. Terrible. Mais moi c'est le brassard, c'est le brassard. Par contre, toi, oui, tu as pris des belles photos. Merci en tout cas, le compliment je le prends. Le compliment je le prends. Tu me mets la petite musique, mon petit Flo. Le date, mon frère. C'est ça. Daniel, bon, on va pas le rappeler, je sais que en toute humilité, nous on le dit, une très grande carrière. Après, je sais que t'es quelqu'un de très très simple. Quel est ton meilleur souvenir de ta carrière? Mon meilleur souvenir, c'est mes premiers pas en Ligue 1, avec mon premier but. Avec les Charbonniers, c'était ça ou non, avec Le Mans. Avec Le Mans. Ouais, à Monaco. Ah ouais. Donc c'était mon premier but en Ligue 1. C'est fantastique parce que en fait, c'est un rêve de gosse de pouvoir jouer au plus haut niveau du football français et s'affirmer. C'était un rêve de gosse. Je pensais à mon père parce que mon père c'était un fan de foot. Et donc voilà, c'est tout. C'est mon plus beau souvenir. Voilà. Ton plus beau souvenir avec la sélection? Est-ce qu'il y en a un? Ouais, c'était le quart de finale en 2012. Ouais. Voilà, on est allé jusqu'en quart de finale. On avait une belle génération et on a perdu au pénalty face au Mali. Vraiment, on avait tiré deux fois sur le poteau. Et vraiment, ça a été un de mes meilleurs souvenirs parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup en équipe nationale. C'est celle à domicile, c'est ça? Ouais, voilà, c'est celle qu'on a réalisé en fait avec la Guinée équatoriale. Ah d'accord. Mmh. Voilà. Le meilleur joueur avec qui t'as joué? Le meilleur joueur avec qui j'ai joué. Bon, mais j'ai joué avec Didier Drogba au Mans, mais il était pas encore bon. Non, il était bon, mais il était meilleur que lui. L'histoire dit que c'était ta doublure. Oui, c'est vrai, ouais. Mais après, quand il est parti à Guingamp, c'est clair que on le sentait qu'au Mans, ouais. En fait, il avait besoin d'air, il avait un gros potentiel. Mais il était plus performant à l'extérieur. Et bon. Le meilleur joueur avec qui j'ai joué, c'est Edu Keïta. La pas classe, de gauche. Voilà. Barcelone. La classe, c'est Edu. En plus, c'est quelqu'un de très gentil, qui parle pas beaucoup et il a fait une belle carrière. La dernière année que j'ai passé à Lens, il a été exceptionnel. Ah oui. Il fait Lens-Marseille, c'est ça? Je crois qu'à Lens, il met une dizaine de buts cette année-là. Il est arrivé en France, d'abord à Marseille, son premier club. Il jouait pas beaucoup, ouais. Parce qu'il était jeune, il est parti à Lorient. D'accord. Lorient, il a gagné la Coupe de France avec Lorient. À l'époque de Pouliquen, d'Archeville, et après il est venu à Lens. D'accord. Le meilleur entraîneur que t'aies eu? Ouf. Ah, il n'y en avait pas beaucoup. Ouais, parce que moi j'ai un caractère spécial. Moi. C'est quoi ce caractère? Ben voilà, j'avais mon caractère, c'est tout. Hein, donc, numéro 9, quoi. C'est... Ouais, il y en a que j'ai apprécié. J'ai apprécié Joël Muller. J'ai eu à Lens, Thierry Goudet qui nous a fait monter avec Le Mans, et voilà.
Walter Smith aussi, j'ai bien aimé, qui est décédé il n'y a pas longtemps. C'était l'entraîneur des Glasgow Rangers, qui avait été adjoint de Gérard Rouillet à Liverpool aussi. Donc voilà, après il y en a d'autres, ça passait moins. Donc, voilà, on peut pas plaire à tout le monde, ça, on peut pas être aimé par tout le monde non plus. C'est clair. Donc voilà. Le club, je sais que c'est toujours compliqué cette question, mais le plus gros club qui t'est sollicité où il a failli avoir signature, même s'il n'y a pas eu, mais au moins il y a eu des contacts et ils se sont intéressés à toi. Ben, en fait, à un moment donné, il y avait eu des petites discussions avec Marseille, mais ça n'a rien abouti. Voilà, c'était vraiment des discussions brièves. Je sais pas pourquoi, en fait, parce que bon, je pense que ça venait plus des agents. Parce que souvent, les clubs, ils aiment bien travailler avec tels agents, pas d'autres. Bien sûr. Et voilà, sinon, il y avait Galatasaray aussi, Panathinaikos, Galatasaray. Panathinaikos, ça a failli se faire avant d'aller à Glasgow. En fait, j'avais vraiment ces trois clubs, Glasgow, Galatasaray et Panathinaikos. Et c'était trois clubs qui jouaient la Champions League. Ouais. Et en plus, moi, j'avais déjà 32, je crois. Ouais, par là. Donc, finalement, je suis parti à Glasgow. Et les Glasgow, voilà. Alors ? Et j'aurais pu, après Lens, rester en France, mais le projet en France, à Nice, Toulouse... Ouais, c'était pas très sexy, quoi. Je me disais, non, c'est des bons clubs, hein. C'est des très bons clubs. Ouais, après, arrivé à un certain âge, tu as envie de. Mais la Champions League, autre chose aussi, bien sûr. Tu vois, voilà, et puis, l'étranger, c'est fabuleux. Ouais. T'as aimé les Glasgow ? Ah oui, c'est exceptionnel. Mais la ville. J'ai adoré. Moi. Ah ouais ? Ouais. Mais c'est pas beau. Pour moi, c'est un petit Londres, hein, Glasgow. Enfin, c'est sa vie. Hein. Ouais. Après, c'est le temps, c'est sûr, il fait pas beau. Ouais. À 16h30, il fait nuit déjà. Mais moi, j'ai beaucoup aimé l'état d'esprit qu'ils ont, les Écossais, les Anglais, tout ça, j'ai adoré. Parce que la vie d'un footballeur, c'est pas que tout n'est pas tout rose. Ouais. Le moins bon souvenir dans ta carrière. Ah, le moins bon souvenir. Qu'est-ce que mon moins bon souvenir ? Parce que quand t'es dans le milieu pro, en fait, c'est un rêve, on vit et... Ouais, mon moins bon souvenir, c'est mes derniers mois à Lens. Ça s'est pas trop bien passé avec les supporters. Parce qu'au Mercato, je devais signer et partir. J'ai eu un transfert à avorter et après... en fait, en France, les gens, ils aiment pas quand tu dis je pars. Ouais. Voilà. On dirait que quand tu signes dans un club, il faut que tu restes toute ta vie. C'est comme si tu quittais ta femme. Sérieux. Dès que tu dis que tu as envie de partir, en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est que ma communication, elle a été mauvaise. Bon, je suis rentré en conflit un peu voilà. Avec mes agents. Parce que j'ai parlé trop vite. Voilà, j'ai, pour moi... C'était pour aller où, là, hier-là ? Monaco. Ouais, il y avait Banid qui m'avait appelé, l'entraîneur. T'as connu Banid ? Ouais. En fait, c'était entre moi et Fred Piquion. Cet enfoiré de. Ah, non. Il le sait, on le dira, on le dira. Il le sait. Donc, en fait, Fred est sorti de Saint-Etienne, ouais. Il devait venir à Lens. Et moi, je devais partir à Lens, à Monaco. Les jeux et finalement, moi, l'entraîneur, il me l'a dit, Banid. Il m'a dit, écoute, moi, c'est entre toi et Fred, mais Fred, il est légèrement un peu plus jeune. Donc, si Fred, il dit non, c'est toi. Donc, moi, pour moi, Fred, il allait venir à Saint-Etienne. À Lens, parce que le directeur sportif il m'avait dit c'est bon, il est d'accord, il va venir. Et finalement, au dernier moment, il a changé d'avis. Ah, j'y en ai voulu. Hein. Ah oui, mais le sait. Mais j'ai passé mon BEF avec lui. Je lui ai dit. Après, c'est sûr, il a vu Monaco, le soleil. Ah, le rocher. Voilà. Ça se trouve, le rocher. Villa avec la piscine et tout. Donc voilà, ça. Après, malheureusement, les derniers mois ont été difficiles parce que j'avais la tête ailleurs et je voulais et j'avais déjà annoncé que je voulais partir, donc ça a été un peu difficile. Est-ce que... Mais ça m'a pas empêché de mettre 2 buts contre le PSG. Ah, là, il l'a placé. Contre l'Algérie, contre le PSG, contre la Tunisie aussi, il l'a planté. Hein. Est-ce que... J'ai perdu la question, c'est pas grave, elle va me revenir. Ouais, est-ce que t'as gardé des très très bons amis dans le football ? C'est difficile parce que après, dès qu'on raccroche les crampons, eh bien, on prend des trajectoires différentes. En fait, parfois, j'ai besoin de certains parce que j'aide des jeunes à s'orienter. J'appelle
voilà, c'est facile de retrouver les numéros. Mais de là à s'appeler... Est-ce que t'as gardé de belles amitiés, vraiment, ou des mecs que tu revois et t'as le plaisir de revoir Oui, eh ben, Didier, j'étais allé quelques fois chez lui en Côte d'Ivoire. J'avais passé le réveillon avec lui, je crois que c'était en 2016 ou 2017, à Abidjan. Parce qu'on était très proches au moment. Hein. On était très proches, donc des fois... Le soir, quand sa femme le mettait dehors, il venait dormir à la maison. Ça, c'était Manu. Il s'en rappelle en plus. Hein. Il venait taper à la maison. Ouais, bah, ma femme, elle a fermé la porte. Bah, j'ai prends ton sac de couchage. C'est des trucs de jeunes, hein, ça. Ouais. Voilà. Et donc, oui. Voilà, donc, un peu avec Fabrice Pancrate. Fred Piquion aussi, des fois, on s'écrit. Et... Voilà, à Lens aussi, à Alou Djara. Ouais. Je l'avais appelé 2-3 fois pour prendre la température sur des jeunes, et voilà. Est-ce que, la dernière question, mais vraiment Daniel, est-ce que Didier, il s'est inspiré de ton jeu ? Non, Didier, il avait son jeu à lui. Après, c'est sûr que le fait que ça se passait pas comme il l'aurait voulu au Mans, mentalement, ça l'a forgé. Parce que je sais, quand il est parti à Guingamp, avec Malouda. Et je me rappelle, il m'appelle à 10h du soir. Il me dit, ouais, Guy Lacombe, il m'a appelé. Faut que je sois demain au centre d'entraînement. Moi, bon, je crois que c'était une blague, en fait. Qu'est-ce que tu racontes, toi ? Dans ma tête, je me suis dit, je joue même pas là. Il va... Non, mais c'est vrai, en plus. C'est des trucs comme ça, tu te dis. Et en fin de compte, il était rentré, je me rappelle de ce match... En fait, je me rappelle de ce match contre Saint-Etienne, c'était Antonetti même, l'entraîneur. Et on était à 0-0, moi tout le match, je m'étais pris des coups, je jouais devant, et lui il est rentré 15 minutes de la fin. Il en a mis deux. Je me souviens de ce match-là. Et dans la tribune, il y avait Ali Bouafia, recruteur de... Et en fin de compte, moi j'avais 2 ans de contrat encore. Parce que quand je l'ai revu, c'est pas Ali Bouafia, c'était Carnot que j'avais fait, Stéphane Carnot. Il m'avait dit, c'était entre toi et Didier qui devait venir à Guingamp, mais Didier, il lui restait 6 mois de contrat. Ah ouais. Bon, après, je pense que Didier, il avait le potentiel vraiment pour, si c'était pas Guingamp, il aurait explosé ailleurs. Hein. Ouais. Mais ça se jouait un peu entre nous deux. Et quand, je me rappelle très bien après ce match, il est rentré dans la voiture, j'avais la haine contre lui. Tu lui disais, ouais, il m'a remplacé, là, il rentre, il met 2 buts. Il met 2 buts, et quand ça va, ouais. Le met dehors, il toque à ta porte, après, ouais. C'est lui qui met le doublé. Mais franchement, ça m'a fait de la peine quand il est parti, parce qu'on s'entendait bien. On était pratiquement tout le temps ensemble, et il me dit, ouais, je pars et tout. Donc, il n'avait pas de voiture, donc j'étais obligé de l'amener je sais pas où pour qu'il récupère des affaires. Et après, il est parti, je sais plus qui c'est qu'il a amené à Guingamp. Mais voilà l'histoire. Toi Daniel, est-ce que est-ce que tu te dis j'aurais pu avoir un on parlait du Galatasaray, du Pana, ouais. Un plus grand club, parce qu'à un moment donné t'étais vraiment dans la lumière en Ligue 1, quoi. Ouais. Mais qu'est-ce que tu te dis, qu'est-ce qui a fait que t'as pas après pu, à un moment donné c'est tu vois, on a vu Djibril Cissé à Liverpool. C'est des mauvais choix. Je pense qu'après Glasgow, je suis parti à Hull City. Contractuellement, on parle librement, hein. Contractuellement, c'était bien, mais sportivement, voilà. C'est des choix, et voilà, des choix que j'avais décidé de partir de Lens alors que j'aurais pu rester. Je me suis mis dans un... J'ai changé d'agent, voilà. C'était un moment, j'ai eu une période où je me suis un peu perdu. Ouais. Mais ça arrive. Ça arrive, c'est pour ça qu'on aime bien en parler. Voilà, c'est l'entourage, et le football, ça va tellement vite. D'une année à une autre, t'as une cote, après ta cote elle est là. Et voilà. Donc j'ai pas peur de le dire, j'ai changé d'agent quand je suis parti de Lens, j'aurais pas dû. D'accord. J'aurais pas dû. J'aurais pu prétendre à des clubs un peu plus huppés. J'aurais dû rester dans la stabilité, me concentrer plus sur le sportif que regarder ailleurs, et ça m'a un peu déstabilisé. Et par la suite, après, bon, ça m'a pas empêché de faire une bonne saison à Glasgow. Et de continuer ma carrière. Mais après, c'est sûr que... Voilà. Après, sportivement, je pense que pour taper dans un grand club, il me manquait un peu de régularité. D'accord. Ouais. J'étais... Et les grands clubs, ils pardonnent pas sur ça. Bien sûr. Ce que Didier n'avait pas au début. Hein. Ouais. Voilà. Donc, je pense pour jouer... Parce qu'une fois, j'étais parti en Italie et j'étais tombé... Je sais pas si tu connais Mirano.
En Italie, c'est un centre. C'est un centre, c'est un centre de remise en forme. Ah, si, je crois, Mandanda, il est allé là-bas. Même Gignac, ouais, je l'ai croisé là-bas. Il y en a plein qui sont allés là-bas. Et donc, en fait, j'avais croisé Louis Ndoula, Mandanda et Benzema, tu vois, donc avec son agent Karim. Là. Mm-hmm. Donc, on a mangé un soir et donc j'ai posé des questions à Karim Benzema. Ah, ben, Karim Benzema, directement. Sur l'état d'esprit au Real, et il me disait le relâchement, ça n'existe pas là-bas. Ouais. Donc il faut que tu sois toujours au même niveau, toujours performant. Il suffit qu'un match est moyen et tu prends pas un but. Et ça veut dire que ces grands clubs, ils ne tolèrent pas. Ouais. Tu vois, même donc, quand tu arrives, il faut être vraiment régulier, constant. Ouais. Et je pense que la différence entre moi et Didier, c'est que Didier il est arrivé à avoir cette constance là. Il est arrivé. Je pense qu'il est arrivé parce qu'il a compris, il a eu un gros mental. Et un bon entourage aussi. Daniel Cousin, mon cousin. Ça c'est de la carrière, ça c'est du numéro 9 et ça franchement c'est de l'humilité. Ça c'était un bonbon Nero Time qui restera mythique et à jamais gravé dans l'histoire de la Family Football Club. Ah, moi, tu sais pas ce que tu représentes pour moi. Moi, à l'époque, quand je regardais TPS Star, t'étais là, mon pote, tu marquais des buts avec le monde. TPS Star, ouais. Ah bah oui, sur TPS Star, sur Canal. Ouais, bah ouais, moi, Daniel Cousin, bah ouais, mais bien sûr. Moi, j'aimais bien, moi. Moi, j'aimais bien, personnellement. On va passer au quiz de la Family. Oui. En plus, je suis en pleine bourre. T'es en forme en ce moment. T'es en forme. Ouais, là, on va jouer. Là, on va voir si t'as de la culture footballistique. Et on lance le quiz de la Family Football Club. C'est parti, mon ami. Avec la petite musique. Et c'est parti pour le premier jeu, le Tech Ball. Le Tech Ball. En quoi consiste le Tech Ball? Une équipe face à l'autre. Amida, Daniel face à Amin Zaki, Wesley. Numéro 10, numéro 9. Numéro 28, numéro 38. Donc, va falloir citer les 22 titulaires de la finale de la Ligue des Champions 2017. Qui sait déjà quelle est la finale de la Ligue des Champions? C'est le Real Madrid déjà. Ouais, face. Le Real, c'était la Juve. Non, c'est contre la Juventus. Bravo. Face à la Juve. Vous êtes 2 contre 2, va falloir donner un nom par équipe, à tour de rôle. Et le dernier qui est en site. Il y avait Ronaldo. Easy. Alors, tu commences. Donc, Cristiano Ronaldo pour Daniel. À vous. Sergio Ramos. Sergio Ramos. Il y avait un Gabonais en plus dans la Juve. Il y avait Lemina. Ouais. Est-ce qu'il était titulaire? Non. Il est rentré à peut-être 15 minutes de la fin, comme ça. Ouais, mais il n'est pas titulaire. Nous, c'est vraiment les 22 titulaires. Du côté du Real, ouais, il y avait Ronaldo et Benzema. Ouais. Luka Modric. Ouais. Non, vas-y. Tu me laisses seul. Je te laisse faire en galère. Du côté de la Juve aussi. Non, oui, comme tu veux. C'est comme tu veux. C'est vraiment faut pas 22. Juste reciter les mêmes noms, mais faut deviner celui les mêmes qui a marqué le but de la Juve, là, c'était Mandzukic. 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 Super ouais. But. Ah ouais. En pleine lucarne. Ouais. Vrai but. Vas-y. Marcelo. Bien sûr qu'il y est. Il y est sûr. Marcelo. Ah, tu m'as fait. Non, mais t'inquiète, sinon je t'aurais jamais dit de le dire si j'étais pas sûr. Il y a eu Buffon. Ouais, Gigi, bien sûr. Ben voilà. Les micros, les gars. Toni Kroos. Toni Kroos. Pjanic. Quel joueur. Miralem Pjanic. Ah, bravo. Je vais en tester un compte, peut-être pas sûr, mais je pense qu'il y est. Parce que normalement, c'est la même compo les trois finales. Vas-y. D'affilée. Ok, Isco. Il me semble qu'il y ait Isco. 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 Là, t'es chaud. Bien, il en reste. Hein. Même au Real, hein, putain, il y en a. Hein. La Juve aussi. Ouais. Navas. Keylor Navas. Oh, Amida, elle est si, classe, elle est numéro 10. Non, mais si, elle marche sur la pelouse, mais à un moment donné, elle te la met. Attends. 2017. Ah, ça commence à parler chinois là. Non, il y a attends, comment il s'appelle? Il y a pas 5 4 voilà. 3 Carvajal. Carvajal. Eh oui. Putain,
Ouais, il y en a beaucoup, hein. Il y a des grands, il y a des stars. Hein. Bah, franchement, dans les deux équipes, il y a même des grands joueurs qui n'ont pas été cités, hein, clairement. Hein. Des stars. Côté Juve, côté Real, des stars. Comment s'appelle le Brésilien qui est au milieu de terrain, là, au Real? Oui, exactement. Casemiro. Casemiro, bravo. Ah, putain, je m'enlève Casemiro. Le milieu a été cité, hein, Casemiro, Kroos, Modric. Ouais. On parle. Chiellini. Ouais. Quand on dit Chiellini. Ouah, abuse pas aussi. Ouah, les gars, carrément. Quand on dit... Non, moi j'ai dit quand on dit Chiellini. Bah, en général. Quand on dit Chiellini, bah oui. Ah oui, Daniel. On va prendre l'hospitalité, ça. Bonucci. Encore. Bonucci. Attends. Y'a pas le. Non, mais du côté réel, on les a tous dit. 5. 4. 3, 2, 1. Quadrado. Il n'est pas Quadrado. J'ai fait tout exprès parce que je savais qu'il allait dire Quadrado. Franchement, je vous ai aidé de fou parce que je sais comment, au mental, comment l'avoir. Quadrado, il n'y est pas. Non, mais non, au Real, t'en as oublié un. Pas forcément. Varane. Varane. En plus, vous l'aviez dit tout à l'heure. Varane. Par contre, vous les avez tous cités. Ensuite, non, mais là où je suis surpris, c'est la Juve. La cité Mandzukic, Gonzalo et Pipita. Oh, Pipita, ah oui. En plus, t'as la même dégaine, Aminzaghi. Dybala. Ah, il était titulaire. Bien sûr, un meneur de mais jeu. Il est tellement irrégulier. Kedira. Ouais, Kedira. Ah, ouais, Dani Alves. Benassia, non? Barzagli. Eh oui. Alexandro. Bon, à la limite, Alexandro, ça peut être... Alexandro, c'est Kedira. Si je pensais, ouais. Ah, putain, ouais, Kedira. C'est... Non, mais c'était un beau tech ball. Ouais. 25 points pour Amida. Et Daniel, bravo. Deuxième match. Votre club, non, pas le club de cœur. Par contre, une nation que vous connaissez bien, c'est l'équipe de France. France, Croatie, 98, bon, demi-finale. Bon. Ça va. France, Croatie, buteur et Ilian Thuram. Oui. Buteur et fautif sur le premier but. Ouais. 98, on parle. Hein. Ouais, 98. Ouais. Davor Šuker. Ah oui, l'attaquant, mon frère. Ouais. Numéro 9 ou pas? C'est lui qui marque sa petite gaucher, d'avoir Šuker. L'attaquant de la Croatie. En France, il y a tout le monde en France. Barthez, ouais. Ouais, Barthez. On le garde à la fin. Barthez. Zinedine Zidane. Bien sûr. Zidane. Derrière, il y avait qui? Lizarazu. Ouais, ouais, Lizarazu. Marcel Desailly. Desailly. Laurent Blanc. À droite. Laurent Blanc. Laurent Blanc. Ouais. Bravo. Ah oui, c'est la finale qui joue pas Laurent Blanc. Oui, ouais. Il est expulsé lors de ce match. C'est Franck Leboeuf qui joue la finale, bravo. Devant, il y a sûrement... C'est sûrement Guy Barche devant. Non. Titi... Est-ce qu'il... Je pense qu'il y avait Trezeguet. De toute façon, c'est à eux. Ah, okay. Titi, au milieu, de toute façon, il y a Deschamps. En vrai. J'ai Deschamps. Ouais. Trezeguet. Non, il n'y est pas, Trezeguet. C'est lui, c'est Guy Barche, je me confonce. C'est Stéphane Guy Barche. C'est Stéphane Guy Barche. Laurent Blanc, c'est à qui met le coup? Il y a Bilic. Et Bleach, mon frère. Il y a Bilic. Est-ce qu'il y a Boban? Il y a Boban. Voilà, Boban, mon gars. Côté croate qui est très connu. Qu'est-ce qu'il est fort, Boban? Qu'est-ce qu'il était fort? Guy Barche, Zizou, Djorkaeff. Petit, Carambeu, Deschamps, Lisa, Desailly, Blanc, Thuram, Barthez. On va passer au bad buzz. Là, il va falloir. On a gagné. Justement, c'est parti pour le prochain jeu, le bad buzz. Donc le bad buzz, il va falloir buzzer, je vais citer des clubs, il va falloir trouver le joueur qui a joué dans ces clubs-là. Le joueur français? Non, peu importe. Peu importe. Ah, alors là, il va vous mettre... J'ai un petit Algérien. Là, c'est le CV. Même ça. Non, pas cette fois-ci. Ah, y a pas de ah, c'est comme ça. Non, pas cette fois-ci. Il est encore en kiné, il a pas digéré. C'est vrai que d'habitude, je mets souvent un petit... Alors le premier, il va falloir aller très très vite sur le buzzer. Dans l'ordre, le premier, va falloir aller très très vite parce qu'il y a que trois clubs. Non, tu n'as pas le droit de tenir. Si, t'as le droit, tu peux mettre ta main. Allez, t'as le droit, t'as le droit. FC Nantes. Il a buzzé. Non, il a pas buzzé. Attends, au moins le deuxième club. Il a pas buzzé là. Non, il faut combien de clubs? Non, je vais les citer. Tu buzzes quand tu veux. Je vais les citer et dès que tu penses avoir le joueur. Sur un joueur nantais, dès que tu penses avoir le joueur, tu buzzes, tu dis c'est ce joueur-là qui a joué dans les clubs que je vais citer. Ok. C'est comme si je disais FC Sapin, Hull City, Glasgow, Lens, Le Mans, c'est toi. FC Nantes, Schalke 04. Olympique de Marseille. Voilà. C'est Harry. Amine Harry.
Bravo. Ça, c'est une tête plongeante. Ça, c'est une tête plongeante. Non, tu connais la tête plongeante? Premier poteau. Il pleut un peu, petit rebond avant la ligne. Je joue tellement pas que je savais même plus. Amine Harit, bravo. Bravo, le LOSC. Dans l'ordre, toujours? Ouais, le LOSC. Newcastle. Il m'a ouette la main. Excuse-moi. Il a tué le buzzer, il l'a cassé le buzzer. C'est ça, pour pas s'en souvenir. 10 secondes, 10 secondes de suspension. J'avais déjà rien de Cavaille, mais non. Mais si, c'est lui. Ah bah, voilà. J'ai plus de Dovrex, mais on a gagné les points. Yoann Cavaille, bravo Wesley. Eh oui, je suis en fire en ce moment. Ah, t'es chaud. Je suis chaud en ce moment, là. Allez, le prochain. Argentinos Junior. En Argentine. C'est pour Amine, ça. Et ouais, et là c'est un super joueur. C'est pas un super joueur. Argentino Junior, c'est sûrement, fait forcément un super joueur. Boca Junior. Dans la Bombonera. Oui. FC Barcelone. Le Napoli. J'ai fait ce gars. Non, parce que non. Suspendu. Non, là, suspendu. Suspendu. Putain, j'ai merdé. Barcelone, Naples, Séville, Newell's Old Boy, Boca Junior. Ah oh, putain, mais... Attends, tu peux l'air. Attends, buzzer, attends. Hein. Attends, ouais, tu peux l'air. Barcelone. Argentinos Junior, Boca Junior, Barcelone, Naples, Séville, ouais, je suis à Newell's Old Boy, Boca Junior. Je te zio, toi. Là, limite, je suis choqué que... Boca Junior, Barcelone, c'est Naples. Oui. Ouais. Là, les clubs Argentinos Junior, Boca Junior, Argentine. Ensuite, FC Barcelone. C'est un Argentin. Ouais. Napoli, Séville, Newell's Old Boy, Boca Junior. Pas Tevez. Je sais pas. Moi, tant qu'on bosse pas, je te dirais. Non, Tevez, il a joué à United, City, etc. Il a pas joué à Barcelone, un Argentin. Ouais. Attends, tu peux les refaire, s'il te plaît. Argentinos Junior, Boca Junior, FC Barcelone. Maradona. Il me l'a donné. Tu m'as entendu? Attends, on l'a dit, il a pas buzzé, il a pas buzzé. Il a gagné, il a gagné. Bah non, il a pas buzzé. Incroyable. Non, elle a buzzé pour moi. Mais non, parce qu'on a buzzé, on a buzzé, frère. Mais j'ai buzzé. Mais non, elle a pas. La VAR, on a pas buzzé. Je regarde. Oh. Ils ont pas buzzé, frérot. Arbitrage maison. Bon. Daniel Cousin et Amina. Alors, le prochain. Le SCO d'Angers. Okay. SCO d'Angers, on reprend sa course. SCO d'Angers. Châteauroux. Ajaccio. Il revient au SCO. Il part à Beauvais. Ensuite, il fait Angoulême. Valenciennes. Stade Malherbe de Caen. Frérot, on passe de Maradona à un mec qui a joué à Angers. Savidan. Steve Savidan. Je regrette pas de parler. Mais là, j'ai fait comme eux. Steve Savidan. Steve Savidan, alors qu'à regret, frérot. Limite, bravo, Daniel. Daniel, franchement, crack. Oui, crack. Ça va. Le dernier. Putain, pourquoi je bosse pas. Le LOSC. L'AJ Auxerre. Le FC Nantes. Racing Club de Lens. Je les refais. Lille, Auxerre, Nantes, Lens. Là, pour le coup, va falloir buzzer très vite parce que le prochain club, normalement, il doit vous aiguiller attends, directement. Lille, Auxerre. Lille, Auxerre, Nantes, Lens. Là, je vais vous donner le prochain. Va falloir buzzer. Daniel, franchement, mets ta main à côté du buzzer parce que je pense que tu vas le trouver. Manchester City. Newcastle. Là, c'est la honte, Wesley, si tu le trouves pas. Wigan, Norwich. Lille, Auxerre, Nantes, Lens. Lens. Oh, la barre. Lens, ouais, Manchester City, mais j'ai rien dit, Manchester City, Newcastle, Wigan, Norwich. Vous en connaissez plein des joueurs de Lens qui sont passés à Manchester City Sibierski. Antoine Sibierski. Antoine Sibierski. Je trouve pas Diego, je trouve Sibierski. Je me rappelais plus qui était passé à Auxerre. Auxerre 96-98, 61 matchs. C'était un bon joueur, lui, j'aimais bien. Mais c'est la classe, Pagis. Ouais, moi, je le mets dans la trempe des Pagis. Il est moins bon que Pagis, mais c'était un bon joueur. Ça, non, mais dans le style. Dans le style, classe. C'est pas un joueur. Les classes, voilà. Batles, tout ça, je le mets dans cette catégorie-là. Bon, c'est serré, là.
Là, c'est serré, c'est la bombonera. Maintenant, on va passer au dernier jeu. Et le dernier jeu, c'est le Mossala. Ça, c'est pour toi, Daniel, et il ne faut pas le montrer à Amida. Ça, c'est à OS. Et si Bercy, il a joué à Newcastle 2006-2007. Ah, c'est vrai, c'est vrai. T'étais pas encore arrivé ou je suis arrivé. Amine, t'es arrivé après, t'en es après. Toi, t'es venu pour le remplacer. Entre autres. Pour Amida. Donc, j'explique le jeu. Le Mossala, va falloir faire deviner à son copain, son camarade, en trois mots, le joueur, le club, le journaliste qu'il y a sur la liste. Non mais attends, Amin Zaghi, tu vas démarrer. Non mais attends. Amin Zaghi, tu vas démarrer. Je vais démarrer, y'a pas de soucis. Mais justement, tu vas voir comment eux le font, comme ça tu t'inspires de la mécanique. Je vais démarrer. Amin Zaghi, tu peux laisser le suspense au public ou pas? Oui, non mais par contre... Non mais tu peux laisser le suspense au public ou pas? Il faut mettre des gens qui travaillent dans le foot. D'accord, tu peux? Ils travaillent dans le foot. Non, donc là, attendez, je demande un récollement. Je demande un sabotage. Amin. Un sabotage. C'est le mot ça là. Ok, d'accord. Et je suis sûr que tu vas le faire. Tu sais quoi? Il est même plus facile à deviner. Vas-y. Et je pense que tout le monde va rigoler. Vas-y, ouais. 3. Attends, ils m'ont mis un petit bourbier, je te dis pas plus. Tu peux dire bourbier en mot, premier mot pour faire deviner. 3, 2, 1, 60 secondes, Amin Zaghi, Wesley. Gardien, Marseille, Havre. Mandanda. Milieu, Argentin, putain non c'est trop dur, je l'ai mal fait. Club, Londres, Wenger. Arsenal. Entraîneur, City. Guardiola. Entraîneur, Arsenal. Arteta. TF1, ange gardien, naine. Joséphine. Non. Wesh. Joséphine. Footballeur, Pamela Anderson. Rami. Ouais, mais après les autres. Milieu, Marseillais, 93. Mais il connaît pas, ouais, s'il est. Qui te dit? Ouais, il y en a plein. Je sais pas, moi, Avé Dupelé, Deschamps. 10, Argentin, Villarreal. Calmé. Voilà. Quel joueur? Boca Junior. Défenseur français, Manchester. Les 60 secondes, c'est bon ou pas? Laurent Blanc. Bah, lui, j'ai dit 60 secondes, j'ai eu le con. Non, parce que. les gars, non, parce qu'Amin. Amin. Amin, ça s'est pas affiché à l'écran. Les gars, Amin, il n'y a pas eu les 60 secondes. Je sais, j'ai vu, t'inquiète. J'ai vu. C'est non, pour ça que je me suis dit peut-être qu'il a zappé le. Par contre, attends, on peut en parler de mettre Mimimati dans le. Mimimati. Non, mais il a trouvé Joséphine Ange Gardien. Quel rapport avec le football en fait? C'était Mimimati. C'était Mimimati. Vous allez mettre Eric Zemmour? C'était Mimimati. Mimimati. La mauvaise foi d'Amin Zaghi. Allez, on passe. Là, c'est. On passe. C'est à eux. Tu commences? Je commence? Ouais, vas-y. Allez, 3. 2, 1, 60 secondes pour Daniel. Emblématique de l'équipe nationale du Togo, attaquant. Frère, il a fait 5 phrases. Non, c'est 3 mots. C'est 3 mots. Mais... Adebayor, voilà, bonne réponse. Attaquant légendaire Allemagne. Lewandowski? Non. Ah non, c'est pas Allemagne. En Allemagne. Légendaire. Müller? Non, bah je sais pas. Je lui donne. Non, tu veux le prochain. Attaquant portugais PSG. L'aigle des Açores. T'as dit quoi? Légende. L'aigle des Açores. Légende. Ah, Paoletta. Ouais. Attaquant. Attaquant numéro 1 au PSG. Mbappé? Ouais. Lui, je le connais pas trop, mais. Gardien de but qui a pris la place de Mandanda. Ah, comment il s'appelle? Je sais plus. Bang, il s'appelle Paulo Lopez. Ah oui, voilà. Il y avait qui d'autre comme joueur à deviner? Elle a fait un livre. Non, il a. Attends, sur le premier, Daniel, t'as fait. Il était une fois. Naguère, jadis. Ah, c'était super. Ouais. Elle a trouvé. Elle a essayé. J'ai essayé. Bien vu. Il y avait qui dans ta liste? Après, il y avait Vinicius, Luis Suarez, João Félix et Laborde. Ouais. Ah, c'était un peu, ouais. Ok. Wesley. 3. Allez, Wes. 2. 1. Amin Zaghi, c'est parti. Attaquant, Maroc, célébration. Ah oui, putain, je. Elle, quelque chose. Putain, je. Youssef El Arabi. Merci. On a dit des mots, hein, pas des gestes. Hein. entraîneur Barça. Xavi. Retraite, larmes, conférence. Retraite, larmes, conférence, non, pas, je sais pas qui a pris ça. Retraite, larmes, bon, ok. Arrière gauche, Real.
Ferland Mendy. Ok. Attaquant. Coupe du Monde 98. Pays-Bas. Kluivert. Merci. Défenseur PSG 13. Aurier. Putain, qui est c'est carré 13. C'est super simple. T'as pas vu. T'as pas vu. T'as pas regardé hier. Kipembe. Ouais. Non, mais c'est trop tard. Ouais. T'as pas vu sur les réseaux. Ouais, il a fait des tresses. Ouais, même les stories et tout. C'est qui la retraite qui pleure là? Bah, c'est Kun Agüero. Kun Agüero, frère. Ah, mais ouais, putain, mais les gars qui ont pris la retraite, qui ont pleuré, les frères. Kun Agüero. Il y en a 80. Non, mais parce que c'est récent. Ouais, non, j'avoue. Mais après, et Saifi, je voulais te le mettre à la fin. Oh, Saifi, fallait juste dire. Saifi, fallait juste dire Mouloudia, frère. Je te dis, t'as pas encore fait deviner à Daniel. Là, t'as la victoire entre les mains. Il aurait dit, on n'est pas des frères. Youssef Blaïli a la victoire entre les mains. Amida. Daniel Cousin, 3, 2, 1, c'est parti! Attaquant norvégien Arsenal. Attaquant norvégien Arsenal. Enfin, milieu offensif. Milieu offensif. Bon, le prochain. Attaquant polonais. Incroyable. Lewandowski. Voilà. Gardien AC Milan français. Celui de Lille, là. Ouais. Magnan. Exactement. Ouais. Lille, Bondy, milieu offensif. Lille, Bondy, milieu offensif. Ouais, Jonathan, il connaît. Il connaît. Gardien, PSG, italien. Bon. Non. Guanomo Mera, là, je sais pas. Donnarumma. Donnarumma. C'est un code Wi-Fi. Ouais. Défenseur, Chelsea. Je suis mort. Il avait un masque, là, quand il jouait. Défenseur. Wow. Ouais. Allez, on se barre, Bravo. Non, attends. Eux deux, c'est le chaboté, mon frère. Non, c'est le chaboté. On a gagné. C'est Père Castor. Amine Zaghi. Un jour, il avait marqué. Amine Zaghi, tu es en train de faire un Marco Verratti. Frérot. À un moment donné, l'arbitre, tu fais pas de faute. Tu joues bien, tu fais des bonnes passes. Mais à un moment donné, Tony Chaperon, il va te mettre un carton jaune, voire un carton rouge. Oh, Amine Zaghi, s'il te plaît. Non, c'était tentant, c'était tentant. Elle a envoyé un chapitre. Ce soir, c'est match nul entre la Family Football Club et Daniel Cousin et Amida. Sacrée performance. Wesley, conclure ce fabuleux live, et d'ailleurs gros big up au chat, il y a Thomas Parlefoot qui sera un de nos prochains invités, un youtubeur qui regarde. Salut Thomas. Francis... Chivasri qui nous dit Bombonera est toujours au top, comment faites-vous pour l'être? D'ailleurs, lui, vous voyez Amida, hein, il disait Madame Amida, comment non, faut pas me vieillir comme ça. Ouais, est-ce que t'as passé un bon moment dans l'FFC? J'ai mal là, tellement j'ai rigolé. Non, au top du top. Franchement, même écouter Daniel raconter l'inside de sa carrière et tout, même si j'ai eu ma carrière, je reste un passionné, j'étais attaquant, donc c'est tu vois, donc c'est non, que du kiff, toute l'équipe, la chronique d'Amida. Très très lourd les dingueries, magnifique. Après j'ai un petit doute sur les gens en régie, je crois ils donnaient les réponses à Amida, mais tranquille. Merci Amine Zaghi avec 3 i. Est-ce que t'as passé un bon moment ce soir? Excellent moment. Déjà Daniel Cousin, je dis mon seul regret c'est qu'il n'ait pas joué à l'OM. Tu vois, qu'il vient nous parler, voilà, des petites anecdotes. Je joue maintenant avec les vétérans. Tu peux venir si tu veux. Et en plus, avec Marrakech, etc. Le retour d'Amida, exceptionnel. La chronique. Bon, après, elle était un peu dure avec le Real et avec l'OM. Elle a fait un retour sensationnel. Mais le retour marquant. Wesley, c'est on peut... Voilà, maintenant, il a carrément un gimmick, un chant avec nous à la famille. This is a new one. Wesley. There is. Excuse-moi, my English is not perfect. Sorry. Évidemment. I'm not fluent, Wesley. Le maître de monie... cérémonie polyglotte et bilingue. Donc Alex Bombonero, et on passe dédicace évidemment à notre Timo Esking qu'on embrasse, et à Nasser aussi, on n'oublie pas Nasser. Et je fais aussi une dédicace, si tu peux me le permettre, parce que la semaine prochaine on sait pas si ce sera en studio ou pas, à tous ceux qui participent toutes les semaines au micro poteau, ouais, qui m'envoient leurs vidéos, Ismaël Mokoto, ou le coach qui est le Sénégalais, qui a d'ailleurs a dit du mal de l'Algérie, mais je le kiffe quand même, c'est mon poteau. Mais vraiment tous ceux qui envoient des messages toutes les semaines, que ce soit dans le chat, le micro poteau, qui nous suivent sur YouTube, merci beaucoup, vous me donnez de la force, ça fait super plaisir. Chika, merci beaucoup. Thomas parle foot aussi, merci beaucoup, qui nous salue. Bonne soirée à tous, Francis également. Amida pour ce retour sensationnel, je te le dis.
Tu m'as régalé ce soir. Merci, merci, merci. Vous m'avez régalé. Franchement, quel plaisir. Tu nous as éteints ce soir. On les a éteints. Éteints. Est-ce que t'as passé un bon moment? Comme toujours. C'est excellent moment. Vraiment excellent moment. Nous, on est contents de t'avoir et je tenais à te le dire au nom de toute la famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ce soir, je le disais, une légende vivante. Attaquant du Mans, du Racing Club de Lens, de Glasgow, international gabonais, capitaine du Gabon. Ce monsieur, il a marqué l'histoire, il a marqué de son empreinte la Ligue 1 et il a été là ce soir parmi nous, dans la famille Football Club. Il n'a pas compté son temps, il est venu. Daniel, merci beaucoup, on est honoré de ta présence. Est-ce que tu as passé un bon moment? Un excellent moment, je me suis régalé et vraiment c'était dans la décontraction complète. Et voilà, il n'y a pas de mots. Tu reviendrais? Bah quand tu veux, avec plaisir. Voilà. J'ai trouvé mon Riquelme. Comme ça, le Riquelme de la Bombonera. Tu rappelleras Fred, on va régler les comptes avec Fred. Ah ouais, ouais, le transfert là. Exactement. Il y a Didier aussi, Didier. Les indemnités kilométriques, hein, va falloir les payer à Daniel. Hein, parce que hein, le coco dans la voiture, c'était pas gratuit mon ami. Hein. C'est vrai. Mais en tout cas, Daniel, nous on a été ravis, on a passé un moment exceptionnel avec toi. Merci pour ta confiance. Merci d'avoir passé ce moment magique avec nous. Exactement. Merci beaucoup à Nafti parce que c'est lui qui t'a sollicité sur les réseaux et t'a répondu favorablement présent. Flo à la réa, franchement en ce moment je sais pas ce que t'as mais tu voles mon frérot, continue comme ça. Olivier toujours là, toujours présent. On a en plus nos supportrices qui sont derrière. Feriel de mémoire je crois, dédicace à Feriel. Mo Esking bien évidemment qui nous regarde en direct de Tunis avec son petit fricassé et son tube d'Arissa. Merci à tous. Bravo pour ce live exceptionnel, les pouces bleus, les likes et rendez-vous à lundi prochain. Et oui, c'était le 5 juillet ce soir. Yeah.